الاستاذ علينا كريم اخ امين نجدي وهو عضو مجلس علماء المغرب في اوروبا فليتفضل سيحدثنا ان شاء الله على دور الاسلام في نشر العلم. انا نطرح الان الشيخ امين نجدي membre du conseil des savants marocains en Europe, et va nous parler, inchallah, du rôle de la mosquée dans la diffusion de la science. Partager avec eux
et de pouvoir les écouter et leur faire entendre de ce que Allah Azza wa Jal nous a donné comme responsabilité. Et le sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui concerne le rôle des mosquées dans la diffusion du savoir. Et bien entendu, avant de parler de la diffusion du savoir, il faut parler du rôle des mosquées dans l'enseignement de la science, dans l'enseignement de la connaissance, avant de la diffuser un petit peu partout. Et nous allons essayer de diviser notre intervention en plusieurs points. Lors du premier point, on va parler du mérite des mosquées en islam, l'importance des mosquées en islam et leur mérite. Et dans le deuxième point, nous allons essayer de parler de certaines preuves rationnelles et des preuves scripturaires relatives à l'importance de l'enseignement de la science dans les mosquées. Et lors du troisième point, nous avons parlé de certains exemples qui concernent les assises du savoir dans les mosquées et ce, chez nos prédécesseurs, nos vieux prédécesseurs. Et dans le quatrième point, nous allons parler de certaines universités théologiques qui ont été fondées dans des grandes mosquées très célèbres dans l'histoire de l'islam et dans la communauté musulmane. Et enfin, on essaiera de terminer avec une petite parole sur ce que nous devons faire dans nos mosquées pour transmettre le savoir et le diffuser dans notre communauté et au-delà de notre communauté. فنبدأ بحول الله عز وجل فنقول بأن المسجد يكتسي أهمية عظمى في دين الإسلام ولا أدل على ذلك من أن الله تبارك وتعالى بين لنا أن نوره لا يمكن أن يستقى إلا في داخل المساجد. الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يتكلم عن نفسه فيقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية إلى أن يقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الآيات. يقول علماؤنا حين تكلم الله عز وجل عن نفسه وبين أنه نور السماوات والأرض ونحن نعلم أن الإنسان لا يمكن أن يبصر إلا بالنور ولا يمكن أن يسير في طرق الظلمات إلا ومعه نور وهذا النور يحتاجه كل واحد منا في هذه الحياة أين نقتبس ذلك النور وأين نجد ذلك النور الرباني الإلهي نجده في بيوت لما قال الله عز وجل في بيوت هذه آية مرتبطة بما سبقها يعني تجدون نور الله عز وجل في البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ثم تكلم عن الرجال الذين يعمرون تلك البيوت وهنا يتبين لنا أن بيوت الله عز وجل لها مكانة عظيمة إذ من خلالها يشع نور الله تبارك وتعالى وينتشر في الآفاق ومن خلالها يضاء للمسلمين أو تضاء للمسلمين طرقهم ويسيرون بخطى ثابتة في صراط الله عز وجل المستقيم. Donc, chers frères, Allah عز وجل, en parlant de lui, dans Sourate An-Nur, il dit Allah نور السماوات والأرض. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et ensuite, il parle de l'exemple de sa lumière. Et enfin, suite à ce verset-là, il dit Fi buyutin, c'est donc des demeures dont Allah Azza wa Jalla a autorisé l'élévation et la construction, dans lesquelles vous allez trouver des gens qui ont certains caractéristiques qu'Allah Azza wa Jalla a détaillées. Et ces versets sont liés. Comment dire, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit qu'il est la lumière des cieux et de la terre, c'est comme s'il nous dit que vous avez besoin de cette lumière. Et pour que vous soyez guidés dans le droit chemin, vous avez besoin de la lumière divine. Or, cette lumière, où est-ce que vous allez la chercher? Où est-ce que vous allez la trouver? Où est-ce que vous allez puiser
d'elle, c'est dans des demeures dont Allah Azza wa Jal a autorisé l'élévation. Si vous voulez chercher la lumière de Dieu, allez dans les mosquées. Vous y trouverez la lumière d'Allah Azza wa Jal. Vous y trouverez la guidance. Vous y trouverez ce qui vous guidera vers moi et ce qui vous épargnera le châtiment de l'enfer. مما يزيد تأكيدا على أهمية المسجد في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي قال الله تبارك وتعالى إن بيوتي في الأرض المساجد إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها أي في الأرض وزواري فيها عمارها يعني الإنسان الذي يريد أن يزور الله الله تبارك وتعالى فعليه أن يعمر بيت الله إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها فمن تطهر وأتى المسجد فهو زائر لله وحق على المزور أن يكرم زائره هنا كلام حق على المزور أن يكرم زائره وهل من كريم أكرم من الله تبارك وتعالى هل من كريم أكرم من الله عز وجل حين تأتي إلى المسجد فقد دخلت بيت الله وأصبحت زائرا لله تبارك وتعالى فأنت في حكم الزائر والله عز وجل في حكم المزور أي أنه يضيفك في بيته وآنذاك سوف يكرمك من عطائه ويكرمك من حسناته فما إن تخرج من ذلك البيت حتى تخرج بكم وبزاد عظيم من الحسنات ومن التقى ومن الهداية الربانية التي تنفعك في دنياك فالعبد يأتي لزيارة الله عز وجل في المسجد كل يوم ثم يرجع حتى يخوض غمار حياته اليومية بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال بأن هذا الحديث ضعيف ولكن يشهد له حديث آخر حسنه بعض أهل العلم ومنهم من قال بأنه حسن صحيح ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة الباهي أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته وأحسن وضوءه من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فهو زائر لله وحق على المزور أن يكرم زائرا نجد نفس العبارة التي رأيناها في الحديث السالف ذكره الذي نقص من الحديث هو قول الله عز وجل في الحديث القدسي الأول إن بيوت الله المساجد التي نقصت في هذا الحديث ولكن هذا التأكيد يتبين في كتاب الله تبارك وتعالى حين قال الباري عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فالله عز وجل نسب المساجد له وهذه نسبة تشريف ونسبة تكريم ونسبة تعظيم لهذه البيوت ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نسبت إلى الله عز وجل في بيت من بيوت الله إذن المسجد بيت الله عز وجل في الأرض ومن دخل بيت الله عز وجل فهو زائر لله فهو مكرم من الله تبارك وتعالى لا محالة ومن دخل بيت الله عز وجل فهو في النور الإلهي ويقتبس من النور الإلهي ويتزود من النور الإلهي فلا يمكن أن تظلم أو أن تظلم طريقه لا يمكن أن يشوب الظلام طريقا أبدا لأنه يشيع بنور الله تبارك وتعالى. Donc, chers frères, pour montrer l'importance des mosquées, nous avons bien montré que Allah Azza wa Jal nous dit que c'est dans ces mosquées-là que vous retrouverez ma lumière. Dans un hadith qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle au nom de Dieu. Donc, dans ce hadith, Allah Azza wa Jal dit mes demeures sur terre sont les mosquées. Mes demeures sur terre sont mes mosquées. Et ceux qui me rendent visite sont ceux qui les peuplent. Ceux qui me rendent visite, mes invités, sont ceux qui peuplent ces mosquées-là.
Ensuite, il a dit, celui qui se purifie et qui vient dans une mosquée, alors il est mon invité. Et il est du devoir de celui qui accueille d'être généreux à l'endroit de celui qui lui rend visite. Autrement dit, lorsque vous venez dans ma mosquée, vous êtes sous mon invitation, vous êtes mes hôtes, et à partir de là, je vais vous accorder ma miséricorde, ma clémence et ma grande générosité. Certains savants ont dit que ce hadith-là est faible, mais il est soutenu par un autre hadith rapporté par Tabarani, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit ses ablutions d'une manière perfectionnée chez lui, et ensuite vient dans la mosquée, alors il est dans l'invitation d'Allah Azza wa Jalla. Et celui qui est invité par Dieu recevra la générosité de Dieu. Donc à partir de là, nous voyons que lorsque nous venons à une mosquée, c'est que nous sommes comblés forcément par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et ceci nous montre que la mosquée a une place privilégiée en islam, a une place bien particulière, une place sacrée aux yeux de l'islam. Et plusieurs hadiths, et le but n'est pas, dans cette conférence, n'est pas de parler de ces hadiths-là, plusieurs hadiths authentiques nous parlent de l'importance de la mosquée, nous parlent de l'importance de construire la mosquée, de la récompense de ceux qui construisent la mosquée, nous parlent de la récompense accordée par Allah Azza wa Jal à ceux qui viennent en marchant à la mosquée pour chaque pas qu'ils accomplissent vers la mosquée, dans l'aller comme dans le retour. Ces hadiths-là nous parlent de l'importance de ceux qui restent dans une mosquée entre deux prières. Après avoir accompli une prière, ils continuent d'attendre une autre prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette assise Ar-Ribat. Ar-Ribat, c'est comme si c'était un jihad fisabilillah que de s'asseoir à la mosquée pour attendre la prière suivante. Ces hadiths-là nous parlent de l'importance de s'asseoir et de former des cercles d'études à l'intérieur de la mosquée pour lire le Coran. Nous parle de l'importance et de la récompense qu'Allah Azza wa Jal attribue à celui qui nettoie la mosquée, qui est au service de la mosquée. Et donc il y a énormément de textes qui vont dans ce sens-là. Et tous ces textes-là, lorsqu'on les rassemble, on comprend que la mosquée acquiert une place importante et dominante dans l'esprit du collectif musulman. Et c'est ainsi que nous devons considérer les mosquées. Lorsqu'on donne de l'argent pour les construire, lorsqu'on y vient pour prier, lorsqu'on y vient pour acquérir le savoir, lorsqu'on y vient pour enseigner le savoir à autrui, donc tout ce que nous faisons autour de la mosquée rentre dans un cercle de sacralité, dans une dimension de sacralité, et forcément on ne peut que recevoir la grande récompense de Allah tabaraka wa ta'ala. الآن بالنسبة للنقطة الثانية وهي الأدلة العقلية والأدلة النقلية على استحباب إقامة تعليم العلم في المساجد وتعلمه. المسجد كلمة المسجد في اللغة العربية هي على وزن مفعيل وهذا الوزن في اللغة العربية يفيد إما يعني المصدر إما أنه يفيد المصدر أو أنه يفيد ظرف الزمان أو أنه يفيد ظرف المكان والمسجد هو ظرف مكان المسجد معناه المكان الذي يسجد فيه المسجد هو المكان الذي يسجد فيه كل واحد منا له مسجد متحرك معه أينما صليت ووضعت قدمك فأنت في طرف من مسجدك وأينما وضعت جبهتك في الأرض فأنت في الطرف الآخر من مسجدك يعني المكان الذي نصلي فيه هذه الصلاة هذه تسمى مسجد الذي يصلي فوقها ويسجد فوقها المسجد هو مكان يعني هو ظرف المكان الذي تسجد فيه هذا هو المسجد ولكن أيها الإخوة الكرام حين نرى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل أعطاه خمسا لم تعطى لأحد من الأنبياء قبله من هذه الأمور أن الله عز وجل جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا للمؤمنين أينما دخل وقت الصلاة على المسلم
يمكن له أن يصلي ما دام المكان طاهرا. هذه الخاصية لا توجد إلا عند المسلمين. عند ديانة أخرى لابد أن يكون له مكان مخصوص للتعبد. أما نحن معشر المسلمين نصلي في كل مكان. ولكن هنا عقلا يظهر لنا شيء من التناقض. هو إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الأرض كلها مسجد للمسلمين، فلما إذن ندفع من أموالنا ومن جهدنا لبناء المساجد ما نسميها بعد بالمساجد ما دامت الأرض كلها مسجدا للمسلمين؟ ما دام الأرض كلها مسجد علاش نحنا نبنيو المساجد ونصدعوا راسنا وندفعوا؟ هذا ليس من أعمال العقلاء أن تدفع مالا لبناء مكان حتى تصلي فيه مع العلم بأن صلاتك يمكن أن تكون في أي مكان كان دون أن تدفع يعني ثمن تلك الصلاة. فلما ندفع يعني الأموال والمجهودات نقوم بمجهودات عظمى لتشييد وبناء المسجد ونظافتها والقيام بها لمدة قرون وقرون، لما نفعل ذلك؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسجد لا يقتصر بناؤه على إقامة الصلاة. لو كان المسجد الهدف منه هو إقامة الصلاة ما كان لاش نبنيو، نصليو ديك الساعة كل واحد في دارو ولا في المطلق نصليو ثم رحنا أدينا حق الله تبارك وتعالى بالصلاة. لكن هنا يتبين بأن المسجد لم يجعل فقط للصلاة، لم يجعل فقط للصلاة، وإن سمي مسجدا أي مكانا لسجود المصلي، معنى أن المسجد فعل لشيء آخر كذلك. ولذلك رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته ما أن قرب من المدينة أول عمل قام به كما نعلم هو تشييده لمسجد ياش مسجد قباء في ديار بني عمرو بن عوف. بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ثم لما جلس ارتاح يعني هنالك يومين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أو كان أول عمل يقوم به هو تأسيس المسجد النبوي. فإن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وكان ذلك أول فعله بعدما يعني هاجر مشركي مكة وهاجر التعذيب الذي كان ينال المسلمين آنذاك، فلتبيان أهمية تشييد المساجد في الإسلام. ما قالش أنا غادي نجي ونرتاح ونتعرف على الناس ونجلس معاهم وبعد ذلك أنظر ما أفعل، لا، قبل أن يرتاح الرسول صلى الله عليه وسلم أسس المسجد الأول، وما أن دخل المدينة حتى أسس المسجد الثاني. هذا إن دل على شيء عقلا فإنما يدل على أن بناء أن المسجد لا يقتصر بناؤه على إتاحة مجال للناس حتى يقيموا صلاتهم، وإنما جعل ذلك لشيء آخر. الآن بالنسبة حتى ننظر ما هو هذا الشيء، ننظر إلى ما روي لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأحاديث حتى نعلم لما جعل المسجد. فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إذا ما بقاش الصلاة فقط أي ولا تلاوة القرآن، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. المدارسة معنى المدارسة هو التعلم والتعليم، يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هي المساجد، ما قالش يصلون، لا، قال يتلون كتاب الله. إذا زادنا شيء آخر وتلاوة كتاب الله عز وجل، لذلك جعل المسجد، مع العلم أنه يمكن أن يتلو الإنسان القرآن في بيته ويقتصر على ذلك، لكن لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أراد أن يحثنا على الإتيان إلى المسجد لتلاوة كتاب الله عز وجل. ثم قال: ويتدارسونه بينهم. إذا هذه إشارة إلى العلم، إلى التعليم والتعلم، وهنا يظهر لنا دور آخر لبيوت الله عز وجل.
وفي الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته كان له أجر حاج تاما حجته يعني الإنسان الذي جاء إلى المسجد لما جئت إلى المسجد قلت أنا جئت لأتعلم الخير أو لأعلم الخير إما أن تكون مدرسا أو إماما أو محاضرا أو خطيبا أعلم الخير أو جئت لتتعلم طالب علم جئت كطالب علم من جاء المسجد لا يريد إلا هذه نيته لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما حجته يعني خصنا نفهموا حنا الانسان ما تيبغي يحج دابا الان خصو يوصل سان شحال صافي تكون دابا سامي لورو اش سامي لورو اكثر من سامي لورو يعني سامي لورو علاش الناس يحجوا تيمشيو باش يبقاو لي يدي الواج ولكن ماشي باش يدي الواج باش ياخذ حسنات الحج وهي حسنات عظمى هنا يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجال للشك لان الحديث صحة واهل العلم لان من اتى المسجد وفي نيته فقط ان يعلم او ان يتعلم كان له أجر حاج والواحد منا قد يحج بيت الله عز وجل وتكون حجته ناقصة ولكن هنا بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أتى بتلك النية الصالحة الصادقة إلى المسجد كان له أجر حاج تاما حجته يعني الحجة دياله كاملة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى بالله عليكم هل نعي مثل هذه الأحاديث هل نعي هذه المعلومات إلى نأتي بيوت الله تبارك وتعالى والله لو كنا نعيها أيها الإخوة الكرام لما وجدنا مكانا فارغا في هذا البيت وخاصة في جلستنا هذه لو كنا نعي هذا الأمر لأن احنا نتزعم على الحج نتقاتل عليه ونحضروا أنفسنا أشهر وبعبر سنوات حتى نذهب إلى الحج علاش لا نريد إلا الأجر والأجر بين أيدينا وقربنا وبجانب بيوتنا ولكننا نغفل عنه أو لا ندرك أهميته أو نتكاسل ونتوانى فيه وهذا مما يدل على جهلنا بديننا Donc, chers frères, si on veut savoir l'importance de la mosquée, commençons par des preuves rationnelles. Le mot masjid, c'est un substantif, c'est-à-dire il est sous la forme de maf'il. Et maf'il, dans la littérature arabe, ça peut être un substantif ou bien un pronom circonstanciel du lieu ou bien un pronom circonstanciel du temps. Et dans ce cas bien particulier, masjid, c'est un pronom circonstanciel du lieu. Autrement dit, le masjid, c'est l'endroit où tu accomplis ce jeûne. Et à partir de là, on peut comprendre que lorsque j'accomplis ma prière à un endroit quelconque, le mètre carré dans lequel j'accomplis ma prière est appelé, je peux l'appeler dans la littérature arabe, masjid. Parce que c'est à cet endroit que j'accomplis la prière. Donc au niveau définition, on est d'accord. Masjid, c'est l'endroit où j'accomplis ma prière. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit Allah azza wa jalla m'a accordé 5 privilèges qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. Et parmi ces privilèges, il a dit Allah azza wa jalla a fait de sorte que la terre entière soit pour moi une mosquée, soit pour moi un lieu de prosternation. Ainsi, dès que l'heure de la prière entre, n'importe quel musulman peut prier là où il est, dès lors que cet endroit-là, bien entendu, n'est pas touché par les souillures, n'est pas un endroit où il est interdit de prier. Et les endroits où il est interdit de prier sont très, très limités. Les endroits où dorment les chameaux, les toilettes, les endroits-là sont très, très limités au niveau de l'islam. Et là, on peut se poser la question, il y a une contradiction dans la définition qui est donnée à le masjid et dans ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors que la terre entière nous suffit pour prier, à partir de là, pourquoi construisons-nous des mosquées? Pourquoi donnons-nous de l'argent et fournissons-nous des efforts pour construire des mosquées alors que la terre, toute la terre, est un endroit pour prier? Et c'est là où on comprend que la mosquée, dans la conception islamique, n'est pas uniquement un endroit pour accomplir la prière. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de construire
les mosquées. Maintenant, si on va plus loin et on voit ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les mosquées, c'est là où on voit l'importance de la mosquée. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un long hadith dans lequel il dit à chaque fois qu'un groupe de musulmans se réunissent dans une demeure de Dieu, à savoir les mosquées, se réunissent dans une demeure de Dieu, afin de réciter le Coran, de réciter le livre de Dieu, et de l'étudier entre eux. Regardez, déjà le prophète ici n'a pas parlé de la prière. Il a dit à chaque fois que les musulmans se rassemblent dans une mosquée, il n'a pas dit pour prier, non. Il a dit pour lire le Coran, réciter le Coran, ou pour l'étudier. Donc là, on est dans la dimension de l'acquisition du savoir et de la transmission du savoir. Ou l'étudier, نزلت عليهم السكينة l'inquiétude descend sur eux. ورشيتهم الرحمة ils sont enveloppés par la miséricorde d'Allah عز وجل. وحفتهم الملائكة les anges viennent les entourer. وذكرهم الله في من عند الله عز وجل les mentionne auprès des habitants célestes, des habitants du ciel. Donc essayez, chers frères, d'imaginer cela. Lorsque nous venons, comme l'assise dans laquelle nous sommes aujourd'hui ici, nous sommes dans une demeure d'Allah Azza wa Jalla. On est venu pour apprendre ou pour transmettre un savoir qu'on a acquis. À peine on se rassemble pour faire cela, l'inquiétude d'Allah Azza wa Jalla descend. Mais vous savez très bien qu'on a besoin de l'inquiétude. À un moment et à un lieu où le stress s'empare de tout le monde. Nous sommes dans un pays qui consomme où on consomme pas moins de 250 millions de boîtes de substances psychotropes. D'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères. Ici en France, on consomme 250 millions de boîtes de substances psychotropes. Tout ça, c'est pour vous dire que les gens vivent dans un stress énorme. Et si on veut combattre ce stress-là, il suffit de venir à la mosquée. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que c'est là où sakina, où la quiétude, la tranquillité d'esprit descend. Wa rashiyatuhum ar-rahman, ils sont enrobés par la miséricorde de Dieu. Et Dieu sait combien on a besoin de sa miséricorde. Wa haffatuhum al-mala'ika, et ils sont entourés par les anges. Nous savons très bien que lorsque nous sommes à l'extérieur, on est entouré de partout par les satans, par shayatin al-iyadu billah. Et surtout dans ce pays-là, vous le savez très bien. Nous sommes dans un endroit, dans un lieu et dans une époque où les satans égarent énormément, ils sont partout. Et si on veut se protéger des satans, si on veut les fuir, où est-ce qu'il faut venir? Il faut venir à la mosquée. Donc dès que tu franchis la porte de la mosquée, tu dois être sûr que les anges sont en train de t'entourer. Et lorsque tu te projettes dans cette dimension, Allah Azza wa Jalla a fait de sorte que notre observation soit limitée. Si Allah Azza wa Jalla nous donne le pouvoir de voir les êtres qui nous entourent, je vous assure et je vous jure par Dieu qu'on verrait des milliers et des milliers d'anges qui nous entourent dans cet endroit et autour. Mais le problème, c'est que parce qu'on ne voit pas, certains ne croient pas. Alors que notre religion se base sur quoi ? Nous croyons à ce qui est invisible dès lors que c'est Allah Azza wa Jalla qui nous en donne l'information et dès lors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous transmet l'information à travers une chaîne de transmission valide. Donc le musulman qui croit en Dieu doit toujours avoir cette dimension là. Lorsque tu es dans les lettres qadr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi ibni rabbi, tu dois sentir que les anges sont en train de descendre. C'est pas sentir, tu es sûr qu'ils sont là même si tu ne les vois pas. Voilà comment, normalement, on traduit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie. Et à partir de là, tu ressens la quiétude parce que tu sais que tu es entouré par les anges. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ » Allah Azza wa Jalla les mentionne, vante leur mérite auprès des anges. Allah leur dit « Regardez mes serviteurs, ils se sont réunis pour étudier la religion, ils se sont réunis pour apprendre la science, ils se sont réunis pour trouver un moyen de se rapprocher de moi. » Et ils les vendent auprès des anges. Malheureusement, les musulmans sont inconscients de ces réalités-là. Voilà pourquoi nos mosquées sont vides. Voilà lorsqu'on établit un cours ou bien une assise d'apprentissage du Coran pour donner des conférences, les gens ne s'y intéressent pas.
ils sont chez eux avec une télécommande à la main en train d'appuyer pour voir autre chose. Ils ne croient qu'à ce qu'ils voient. Il y a encore des choses qui risquent de les enfoncer encore plus dans l'égarement et dans le péché. Alors que le croyant lucide, le croyant qui s'est imprégné de la parole d'Allah Azza wa Jalla et la parole du prophète, c'est quelqu'un qui viendra forcément à la mosquée pour y apprendre et pour partager ce bien qu'Allah Azza wa Jalla a donné à ses élus. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un hadith qui a été considéré comme Hassan Sahih par des spécialistes de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vient à une mosquée, celui qui marche en allant et qui va à une mosquée, en ayant pour intention, seule intention qui le ramène à la mosquée, d'apprendre un bien ou de l'enseigner. Apprendre un bien ou de l'enseigner, il aura comme récompense la récompense que Dieu donne à un pèlerin dont le pèlerinage est complet. Un pèlerin dont le pèlerinage est complet. Donc imagine, mon frère, ma soeur, lorsque tu viens à la mosquée pour apprendre quelques versets, en sortant de la mosquée, tu as ramené avec toi la récompense de quelqu'un qui a dû payer des milliers d'euros et qui a dû traverser des milliers de kilomètres et qui a passé des centaines d'heures et plusieurs jours pour aller chercher ce bien ou à la Mecque. À la Mecque, en accomplissant le pèlerinage. Toi, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là pour le faire. Tu as le devoir de le faire une fois dans ta vie. Mais Allah Azza wa Jalla t'a ouvert la possibilité d'avoir cette récompense-là, peut-être au quotidien, chaque jour. Encore faut-il que tu acceptes de venir à cette mosquée pour enseigner ou pour apprendre un bien. وفي حديث آخر رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة والصفة هذا كان مكان إذا يعني قرب جانب المسجد يجتمع فيه الفقراء من المسلمين أولئك الذين ليست لهم بيوت لSDF من الآن ومنهم كان سيدنا أبو هريرة فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين اجتمعوا في الصفة فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم قال له مش واحد فيكم ما يبغيش يمشي إلى بطحان وبطحان هذا واحد المكان الذي كان يوجد بجانب المدينة المنورة ألا يحب أحدكم أن يغدو يمشي في الصباح بكري أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق العقيق هو وادي معروف في المدينة فشنو يدير فيأتي بناقتين كوماوين يعني بجوج ناقات كبار والناقة الكوماء هي الناقة التي لها سنام منتفخ تكون عندك الحدبة ديال الظهر تكون ممتلئة يعني بالشحم يعني أنها شبعانة مزيان يأتي بناقتين كوماوين يمشي ويجيب جوج ناقات في كل صباح قالوا واش واحد فيكم يبغي واش كاين شي واحد اللي فيكم يكره هذه القضيه الناقه بشحال الثمن ديالها شحال الثمن ديال الناقه انا فرنسا زين نضرب كلاش نسولو بهذا تكون تقول له دابا شحال لا توغال ولا لا تواريك ولا هذا كل ديك الساعه كلشي يتكلم ولكن ما نقول لكم الناقه ما كنعرف لكم مع ان النقص نكونوا عارفين هذه القضيه لان فيها بزاف ديال الامور الكفاره لمن قتل خطا فيها بزاف امور تدخلوا في هذا المجال المجال الفقهي الناقه الان تقريبا الثمن ديالها متوسط هو تقريبا 1000 اورو يعني تصوروا بحال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك واش كاين شي واحد فيكم اللي يكره انه في كل صباح يمشي يخرج واحد شويه يمشي واحد حتى 3 كيلومتر على رجليه ويجيب 2000 اورو معاه في كل صباح يمشي ويجيب 2000 اورو كاين شي واحد فيكم يكره هذه القضيه فأجابه الصحابة قال كلنا يحب ذلك يا رسول الله واش كاين اللي يكره يمشي يجيب 2000 اورو في كل صباح حنا الواحد فينا تيحرق نفسه الشهر كامل وصافي يوصل ديك 2000 اورو ويدرس عليها ويتكرفص فيها كما نقول باش يجيب ديك 2000 اورو هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك واش كاين شي واحد فيكم يكره يمشي يجيب 2000 اورو كل صباح قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد يقرأ أو يعلم آيتين فهو خير له من ناقتين أو ثلاثا فهي خير له من ثلاث أو أربعا
فهي خير له من أربع ومن مثلهن من الإبل. فهمنا هذه القضية؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إلا بغيت هذه القضية كله قالوا بغينا القضية واش 2000 أورو نكروها كل صباح. قال لهم وراه كاين ما أحسن منها، غير تمشي كل صباح للجامع وتعلم جوج ديال الآيات، إما تعلمهم أو تعلمهم. فكأنك جئت بناقتين كوماوين. قال لهم ولا حنا ماشي نسلع، حنا بغينا 2000 أورو. دابا لا الرسول صلى الله عليه وسلم شحال تيدير باش يقرب للناس، وكاين دابا اللي يقول لك لا لا بغينا جيب ناقة فعلا. وهل هنالك أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم بين البشر؟ لا لا أحد، لا أحد أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر. وهو يقول لنا هذا الكلام يعني يحث المسلمين، يا مسلمين استمعوا لي، يا مسلمين أنصتوا لكلامي. إذا ذهب الواحد منكم إلى المسجد كل يوم يتعلم آيتين أو يعلمهن، يعني كان له من الأجر أو كان له من الربح كمن يأتي كل يوم بناقتين عظيمتين. ومن تعلم ثلاث فكأن ثلاث معلومة، ومن تعلم أربع أو علم أربع فكأن أربعون. وتصور الإنسان اللي يجي يقرأ حزب كامل يقول يعلمه، شحال هذاك الأجر اللي عندك يا إخوتي الكرام؟ حنا دابا كل هذا الكلام كله تنسمعه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الرسالة حق التبليغ وبتبيان المبين. ولكن دابا كل هذا الشيء نقوله للناس ما كاينش اللي يجي اللي يسمع لنا، ولكن دابا سير انت تقول لهم اللي جا المسجد عطوه 20 أورو. دابا شكون التريزوري عندكم هنا؟ دابا التريزوري غدا ويقول لهم يا اخوة في الجمعة، يقول لهم يا اخوة الكرام راه الجماعة قررت ان شاء الله اللي جا الصلاة ديال سي صلاة كيف ما كانت راه عطوه 20 أورو. واش تظنوا بأن المسجد يكون فارغ من بعد؟ ها؟ غيكون ممتلئا آخرة جايين 20 أورو. والرسول صلى الله عليه وسلم كان 2000 أورو أكثر ما كانش تيسمع له. باش نعرفوا بعدنا عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم فهمنا وتشبعنا بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. دونك زان نوتخ حديث شيخ خير رابورتي بار مسلم سور عقبة بن عامر دي pendant que nous étions assis dans Sofa. Et Sofa c'est un endroit qui juxtaposait la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم à midi. Le prophète صلى الله عليه وسلم est venu et il nous a dit, est-ce que l'un de vous n'aimerait-il pas aller tous les matins à Boudhan, c'est une petite région qui est à côté de Médine, à Boudhan ou l'Aqib, c'est une petite vallée à Médine, et ramener avec lui, chaque matin, et ramener avec lui deux grandes chamelles. Min ghayri dhanbi wa la qati'ati rahim, sans avoir commis de péché, ni rompu de lien de famille. Est-ce que quelqu'un de vous n'aimerait-il pas avoir ce privilège? Et les compagnons ont dit, mais tout le monde aimerait avoir ce privilège, cher prophète. Il leur a dit, ben, il suffit à l'un de vous de venir à la mosquée pour apprendre ou enseigner deux versets coraniques. C'est mieux pour lui que les deux chameaux. Et s'il enseigne trois, c'est mieux que trois, c'est équivalent à trois chameaux. Et s'il enseigne quatre versets, c'est équivalent à quatre chameaux, quatre chamelles. Et pareil en nombre de chameaux. Voilà. Donc imaginez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc, je viens de dire aux frères, le prix d'un chameau au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 1000 euros. Le prix d'un chameau. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'aimerait pas avoir chaque matin 2000 euros? Est-ce que quelqu'un de nous peut avoir l'imbécilité de dire non, moi ça ne m'intéresse pas? Et pourtant le professeur Hassan le dit. Et il dit, il suffit à l'un de vous d'aller apprendre ou enseigner deux versets coraniques, c'est comme s'il a ramené avec lui 2000 euros. Et je disais aux frères à juste titre, si maintenant nous disions à nos frères, celui qui vient à la mosquée, on lui donne 20 euros, je suis sûr que cette mosquée-là sera remplie au moins à la moitié, à chaque prière. Parce qu'il sait qu'à la fin, il y a 20 euros. Et là le professeur Hassan, il te dit, t'as mieux, t'as 2000 euros, le prix de deux chamelles. Tout ça, c'est pour dire que la récompense qu'Allah Azza wa Jalla te donne, c'est une récompense qui est énorme. Vous, les moyens avec lesquels vous calculez la richesse, c'est l'argent. C'est les jimains, c'est les chameaux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il te dit, la devise, si la devise sur terre, c'est les chameaux, la devise chez Allah Azza wa Jalla, c'est les hasanat. Donc, autrement dit, on veut à la mosquée enseigner deux versets,
ou apprendre deux versets, tu as là, je te donne de la devise de l'au-delà, quelque chose qui est extraordinaire, qui équivaut à deux chamelles sur terre, à chaque venue, pour apprendre deux versets. Donc imaginez celui qui vient, ne serait-ce que deux fois par semaine, pour apprendre le Coran, ou lire le Coran, ou enseigner le Coran. Donc vous imaginez les hasanats qu'on a. C'est un privilège qui n'a été donné qu'à la communauté musulmane. Allah Azzawajal nous a donné énormément d'occasions de thésauriser les hasanats, de gagner les hasanats, ou encore faut-il l'accepter et avoir la lucidité d'esprit de le faire. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذات يوم كان في المدينة فخرج إلى السوق ورأى ما رأى من حال الناس في البيع والشراء الناس كلهم بعثوا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يبتاعون ويشترون في السوق فشوفوا إلى ذكاء سيدنا أبي هريرة ناداهم بأعلى صوته وقال لهم يا معشر المسلمين إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد قال امرأة الورث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فهب الناس من السوق مشاو تيجريو هب الناس من السوق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا فلم يجدوا شيئا هما قال امرأة الورث تيتوزع راه قال الورث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيتقسم في المسجد وانتوما جالسين هنايا في السوق فخلاو اللي عنده تيمشي على تيبيع خلاها ورث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورث شيئا وكفى عن من الرسول ما ورث ولم يرد درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم فلما ذهبوا الى المسجد لم يجدوا شيئا فرجعوا الى ابي هريره فقالوا له يا صاحب رسول الله ما وجدنا شيئا في المسجد فقال لهم من وجدتم هنالك شكون اللي لقيتو تما قالوا له وجدنا اناسا يقرؤون القران واناسا يصلون واناسا يتذكرون في الحلال والحرام فقال له ذلك ويحكم ذلك إرث رسولكم الذي يقسم وأنتم غافلون عنه يعني لما قال سيدنا أبو هريرة لما قال المرأة الورث الرسول صلى الله عليه وسلم واش كذب حاشا أن يكذب صحابي جليل كلهم عدل ما كذبش إذن هذا الحين واش حلال نديرو ولا ماشي حلال حلال نديرو إوا غدا إن شاء الله الإمام ديالكم يستعمل شي حيلة بحال هكا ولكن الى جا ما لقاوش داكشي اللي قال لهم يا ويلي لهم الناس ولكن شوفوا ابو هريره الذكاء ديالو حتى يحث الناس على الخير وحتى يبين لهم انهم غافلون عن بعض الحقائق الورثه توزع وانتم جالسين اشنو الدين هذا واي احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم واي ايمان بالله ان تركتم المساجد فارغه وانتم يعني تلهيكم الاموال وتلهيكم يعني تلهيكم التجاره وانتم غدوة تدعون بيوت الله عز وجل تقسم فيها او يقسم فيها مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وغادي ابو هريره رضي الله عنه جوف il est parti dans le marché, il a trouvé que les gens étaient préoccupés par les ventes, l'achat. Il a commencé à les regarder, regarder leur état. Ils étaient dans un esprit mondain. Et la dimension spirituelle a commencé à s'effriter après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. Déjà à cette époque, mais pas bien entendu en comparaison avec la nôtre, ils étaient déjà dans un niveau bien supérieur. Mais Abu Huraira a remarqué que déjà il y a une régression au niveau spirituel. Et là, il a lancé un appel dans le marché. Et il leur a dit, malheur à vous, vous êtes ici en train de commercer, de négocier, alors que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de distribuer l'héritage du prophète. Et vous, vous êtes ici. Dès que les gens ont entendu cela, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient dans les mains et ils ont couru, se sont précipités rapidement à la mosquée. Ils sont rentrés pour chercher la distribution de l'héritage. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus à Abu Huraira. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? On n'a rien trouvé de ce que tu as dit. Et Abu Huraira leur a dit, qu'avez-vous trouvé dans la mosquée? Ils lui ont dit, on a trouvé des gens en train de lire le Coran. Et on a trouvé des gens qui étaient en train de prier. Et on a trouvé des gens qui étaient en train de discuter sur le halal et le haram. Autrement dit, c'était des assises de savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, et Abu Huraira radiallahu anhu leur a dit, malheur à vous, c'est justement l'héritage du prophète qui est en train d'être distribué. C'est de cela que je parle. Et vous, vous êtes inconscient de cela. Donc, Abu Huraira, lorsqu'il a dit cela, il n'était pas menteur. Il n'a pas commis un péché. Il n'a pas dit un mensonge. Il a dit une réalité. Mais il a voulu un petit peu la rendre physique et palpable pour que les gens comprennent l'importance de l'acquisition du savoir et de la transmission du savoir dans les mosquées. L'un,
نذكر أيها الإخوة الكرام نماذج من حلق العلم التي كانت عند سلفنا الصالح وراء جميع المساجد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها حلق الذكر وفيها تعليم القرآن وتعليم الفقه وتعليم الحلال والحرام وجد بعد ذلك تطورت تلك الحلق أصبحت حلقة متخصصة تجد حلق يعني حلقات لتدريس القرآن تحفيظ القرآن حلقات لدراسة النحو حلقات للشعر حلقات للحديث وهكذا فتعددت أنواع الحلقات في مساجد المسلمين ونذكر بعضا من تلك الحلقات عند سلفنا الصالح يروي مسلم بن مشكم رحمه الله فيقول كان مرة قال لي أبو الدرداء أبو الدرداء هذا واحد من الصحابة الكبار فكان في الشام فقال له يا مسلم هذا مش مسلم بن الحجاج هذا مسلم بن مشكم رجل آخر فقال له يا مسلم أعدد من بمجلسنا قال له حسب لي شحال من الناس اللي كاينين في المجلس اللي تيجيو يقراو عليا كان يدرس القرآن سيدنا أبو الدرداء كان يدرس القرآن كما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم فمرة قال له حسب لي شحال كاين من واحد في الجلسة حنا دابا هنا حسبنا في الجامع شحال نلقى شحال 100 ما كاملش 100 قولوا 100 سيدي باش نقول الناس اللي ما تيشوفوش يشوفوا الكاميرا يقول لك راه عام عام الجامع باش ما تحشموش هذا الشيء حنا راه كثار على 6 مليون مسلمين في فرنسا تما راه مازال مسلمين قلال شويه مازال عاد ما تراسوا صعب مازال الناس قلال شويه فقال له عدود من في مجلسنا فقال له مسلم شاهد قال له وجدت شحال نقدر نقولوا 200 300 1000 ها قال له وجدت 1000 او وجدت 1600 ونيفا من الناس 1600 وشي حاجه واحد اللي جالسين تيقراوا القران على سيدنا ابو الدرداء وجدت 1600 ونيفا وبعد 1600 ونيفا اللي كانوا يقرؤون على ابي الدرداء حلقه واحده ديال ابو الدرداء 1600 واحد جالسين تيدرسوا القران الكريم حنا لا تنخليو الامام مسكين جالس بواحد مع جوج ديال جوج وليدات تيتقاتل معاهم مسكين وراه الاجر عندهم سواء كانوا 20000 ولا 40000 ولا واحد الاجر واحد مكتوب ولكن حنا علاش خلينا هذاك الاجر علاش ضيعناه علاش ما ديناش ولا بنيت ياخذ داك الاجر علاش ما جيناش حنا بنفسنا ناخذ داك الاجر تتوش الانسان عنده 60 عام 70 عام ولا يحسن قراءة الفاتحة حشومة ورتل القرآن ترتيلا والأخذ بالتجويد حتم لازم كما قال صاحب المنظومة ولكن شنو؟ ما عندناش العقل باش نفكروا ما عندناش العقل باش نتعلموا باش نجي نتعلم شوية ديال التجويد شوية القواعد شوية باش نقرأ القرآن الكريم باش نقرأ شوية ديال القرآن الكريم ما عنديش وقت نجي واحد السويعة في النهار المسجد حتى أصلي وأجلس نصف ساعة أو بين صلاة المغرب والعشاء أنتظر كالمرابط أنتظر صلاة العشاء فأقرأ شيئا من القرآن وأطلب من الإمام أن يعلمني شيئا من القرآن أو أن أستظهر أمامه شيئا مما حفظته من القرآن يعني ما لنا أيها الإخوة الكرام نتماعس ما الذي حل بساحتنا؟ ماذا وقع بنا أيها الإخوة الكرام حتى نصل إلى هذا التلاشي ونصل إلى هذا المستوى الدنيء في طلب العلم من مساجد المسلمين ثم يقول مسلم بن مشكم فإذا حل الصبح صلى أبو الدرداء ثم انتقل وقرأ جزءا تقرأ يعني جزء ديال القرآن جزء الحزب وقرأ جزءا ثم قال فيحدقون به يأتي الناس التلاميذ يحدقون به أي يجتمعون حوله يحيطون به فيأتون فيحدقون به يسمعون ألفاظه وكان يقول وكان ابن عامر مقدما فيه وابن عامر هذا هو ابن عامر الشامي واحد من القراء السبعة يعني القراءة عليه متواترة كان هو من المقدمين فيهم يقول ودائم جالسة هو الأول فيهم من بين ذوك 1600 طالب الذين كانوا يقرؤون على ابي الدرداء هذا يبين لنا كيف كانت المساجد 1600 واحد تقراوا في مسجد يعني تصوروا في الخيال ديالكم حنا الجمعه الى 60000 واحد تقول تبارك الله راه الجامع غيطرطق الجمعه وديك الجمعه هنالك من يساق اليها يعني كانه مكبر يعني ما كانش يجي ولكن قال والله عز وجل قال اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه وما كانش ديك الايه
كما راني مرتاح في الدار ديالي، ولكن ربي قال ما عندي عيالي حلت اذا نودي للصلاه فاسعوا الى ذكر الله. هذه على جهه، اما كما كتجيب الايه ما تجيش، هذه الاحاديث كلها ما تجيبنيش غير ديك الايه لانها تفيد الوجوب جاءت بي، وهذه الاحاديث التي تفيد الاستحباب لم تاتي بي. وهنا تتبنى ايها الاخوه الكرام بان يعني ليست لنا الهمم التي كانت عند اسلافنا. عن يزيد بن ابي مالك عن ابيه قال: كان ابو الدرداء يصلي في الصبح. هادشي راه الناس يقراو في الصبح ايها الاخوه الكرام، تصلي الصبح الصبح ويجلس يقرا. حنا الانسان تيجي عند الفقيه تيسولو تيقول له سي الفقيه الى واحد ما حل عينيه تطلعك الشمس، واش يبدا بالفجر ولا يبدا بالصبح؟ شنو هو الجواب؟ تيقول له خصو يبدا بالفطور بعدا هو عاد تسول دابا علاش بدا بالفجر؟ تيقول له طلعت عليه الشمس واش يبدا بالفجر ولا بالصبح؟ هادو الناس كانوا تيصليو الصبح ويجلسوا يتعلموا القران. وكان يروي يزيد بن ابي مالك عن ابي كان ابو الدرداء يصلي ثم يقرا ويقرا حتى اذا اراد القيام، لما تنتهي اراد القيام ماشي بشي بحاله، يقول له: هل من وليمه او عقيقه فنشهدها؟ تيقول كاين شي واحد دار شي وليمه ولا شي عقيقه نمشيو ناكلوا عنده، يعني معنى ذلك انه يجلس من صلاه الصبح الى وقت تناول طعام الغداء، ولو ان الغداء هو الفطور. احنا عندنا تقول الفطور ديال الصباح، هذاك هو الغداء، اتينا غدا انا، يعني الغداء هو تكون في الصباح الباكر، حنا تسميوه الغداء يعني مع 12، يعني تيدير درس من الفجر، الفجر قلت لك الساعه 5 الصباح حتى 12 ديال النهار، هو جالس يدرس القران. هو تيدرس القران، يعني تقريبا 6 ديال السوايع ولا 7 ديال السوايع وتيدرس القران، ولما ينتهي يقول لهم: هل من وليمه او عقيقه فنشهدها نمشيو ناكلوا؟ فان قالوا نعم والا قال: اللهم اني اشهدك اني صائم. تيقول له راه كاين واحد السيد راه عنده عقيقه ولا عنده، تيقول له مشي ناكلوا عنده. تيقول له راه ما كاين والو اليوم، ما كاينش الخير. تيقول اللهم الخير موجود دائما. تيقول اللهم اني اشهدك اللهم اني صائم. انظروا ايها الاخوه الكرام، يعني يقابلوا الناس اللي كانوا عايشين وفي النهايه دابا الان عايشين. وكان لابي هريره حلقه في المسجد النبوي يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي. يحدث ويبكي. وروي ان رجلا دخل على معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه فقال له: لقد جئت من المدينه. قال له: لقد جئت من المدينه، ان معاويه كان في دمشق. لقد جئت من المدينه ووجدت فيها ابا هريره يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثني خليلي، حدثني خليلي نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويستعبر ثم يبكي. يعني تيقول حدثني خليلي، هو ما تيقول هو يجوز له ان يقول انه خليل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده شي خليل من البشر؟ لا، لان الله عز وجل اتخذه خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولكن يجوز للصحابه ان يقول محمد صلى الله عليه وسلم خليلي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو اتخذ صاحبكم خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فسيدنا ابو هريره يقول: حدثني خليلي، يعني حبيبي، حدثني خليلي ثم يستعبر، يعني ان الدموع تنزل من عينه ويبكي، ثم يجلس هنيها ثم يقول: حدثني خليلي نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبكي فيقوم ويغادر المجلس من كثره البكاء. شوفوا الحب والشوق الى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عند هؤلاء الناس. الناس يقولوا مجموعين عليه تحدثوا بالاحاديث، بعض المرات تفكر وتجي ذاك الوجه تيقول: حدثني خليلي، تيتفكر الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يبكي، يفيض تفيض عينه بالدموع ثم يقوم من مجلسه و دونك شيخ خير. دوزيام بارتي اون با بارلي دو كيلكوز اسيز d'acquisition du savoir à l'époque de Salaf Saleh. Et le premier exemple nous a été rapporté par Muslim ibn Mishkam qui a dit: je participais à l'assise du Coran de Abu Darda, un grand compagnon du professeur. Mais un jour, ce dernier m'a dit: oh Muslim, compte combien il y a de personnes dans notre assise. Dis-moi combien il y a à peu près de personnes dans notre assise. Et Muslim ibn Mishkam, il a dit: j'ai fait le compte et je suis revenu vers lui et je lui ai dit: il y a à peu près 1600 et quelques personnes. Imaginez, 1600 et quelques personnes dans une assise d'apprentissage du Coran. Et il disait, et Abu Darda,
Donc dès qu'il accomplissait Subh, il se tournait, il commençait à lire un juz, ça veut dire deux hizb. Et les étudiants et les élèves venaient l'entourer de partout pour écouter sa lecture. Ils l'entouraient pour écouter sa lecture. Et parmi ses élèves, le premier était toujours Abu et Ibn Amir. Et Ibn Amir, Shami, faisait partie des sept grands lecteurs du Coran, dont la lecture a été transmise d'une manière notoire. Et dont Yazid ibn Abi Malik, il rapporte sur Abu Darda, il disait, à chaque fois qu'Abu Darda accomplissait la prière de Subh, il se tournait, il commençait à lire le Coran et à enseigner le Coran, et les gens venaient pour réciter le Coran devant lui. Et lorsqu'il arrive, à peu près avant Dhuhr, avant que la prière de Dhuhr n'arrive, d'une heure par exemple, lorsque les élèves se terminent, donc imaginez depuis Subh jusqu'à à peu près midi, ça vous fait après 7 heures d'enseignement, et les gens sont toujours là, et lui il est là. Et lorsqu'il terminait, il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une walima ou bien une aqiqa afin que nous puissions manger chez lui? S'il lui disait oui, donc il allait manger chez cette personne. S'il lui disait non, il n'y a personne, il disait, Seigneur, atteste que je jeûne cette journée-là. Allah, atteste que je jeûne cette journée. Donc ça vous montre comment les mosquées étaient remplies d'étudiants et de ceux qui voulaient apprendre quelque chose et qui voulaient cette récompense divine. Abu Huraira aussi avait une assise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte qu'un homme est allé à Damas, et il est rentré chez Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, il lui a dit, je viens de revenir de Médine, et j'ai trouvé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira en train de parler des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de rapporter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il voulait rapporter un hadith, il disait, Mon ami intime, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit. Mon ami intime. Et dès qu'il disait ce mot-là, ses larmes coulaient sur ses joues. Et il pleurait. Parce qu'il se rappelait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moins, il était déjà mort. Il se rappelait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commençait à pleurer, il s'arrêtait. Et tout le monde écoutait, tout le monde pleurait. Après, il reprenait. Et il parlait, il rapportait ce qu'il entendait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il pleurait. Et il lui arrivait parfois de quitter l'assise. Tellement il pleurait, il quittait l'assise. Donc ceci vous montre que les compagnons, parmi ceux justement qui avaient du savoir, avaient toujours une assise dans laquelle ils transmettaient le savoir. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il est parti à Damas, il enseignait dans la mosquée de Damas. Et un homme qui s'appelle Idris Khulani donc rapporte ce qu'il a vu dans l'assise de Mu'ad. Il dit Dakhaltu masjid al-Dimash, je suis rentré dans la mosquée de Damas. Fa'idha ana bifatan barraq al-thanaya, j'ai trouvé un jeune homme barraq al-thanaya. Thanaya, ce sont les dents de devant. Barraq, ça veut dire qu'il y a les dents éclatantes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était très souriant. Barraq al-thanaya, quelqu'un qui était très souriant. Barraq al-thanaya, tawil al-samt, quelqu'un qui observait le silence, il ne parlait pas trop. Tawil al-samt, wa idha an-nasu ma'a, et les gens l'entouraient, les gens étaient avec lui. Fa idha ikhtalafu fi shay'i, lorsqu'il divergeait sur quelque chose, asnaduhu wa sadaru 'an ra'yihi, il revenait vers lui pour lui demander son avis, et il ne prenait en compte que son avis. Et lorsque je leur demanda de qui, c'est qui cet homme-là? Ils m'ont dit, c'est Mu'ad ibn Jabal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-moi qu'à Dali, l'imam Awash, tu as vu l'imam Awash? Le nas de l'Imam Arabe, le chèque, le voyage, Awash, Awash, ou Amin Inabled. Hein? Je connais Awash, 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 Amin Inabled, ou Amin Inabled. L'imam Awash, le Messri, arada an yata'allama عن الإمام ياش عن نافع أراد أن يتعلم عن نافع فيروي يعني هو فيقول إمام نافع في كام إن مدينة إمام نافع كان في المدينة المنورة داكشي باش الإمام المخدم الناس من ذهب المالكي خداو الفقه
ديال المدينه اللي ولد الملكي وخذوا القراءه ديال المدينه اللي هي نافع وقرا عليه واش غير هو كاين اللي قال على 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 على, على نافع واش هو كذلك نافع فهو قال رحلت لطلب القران من نافع فاتيت المدينه وجئت الى حلقه القران الى حلقه امام نافع فيعني وجدت جما غفيرا من الناس يعني الطلبه ديال العلم الذين يدرسون القران كانوا كثيرا قال لا تطاق القراءه عليه لكثرتهم يعني كان يمكنش تقرا عليه يجي شي واحد يقرا عليه لكثره الناس فقال فجلست في مؤخره المسجد بقيت انتظر والناس كثار قال انا ولا جاي من مصر باش نتقرا عليه وجيت وشفت البشر كثير يعني قال هذا خلق مع شحال ديال الوقت ما يمكنش النوبه ديالي توصل فجئت الى احدهم فقلت له يعني وكان كل واحد يتقدم اليه او امامه يقرا عليه 30 ايه يعني تجي التلميذ الاول يقرا 30 ايه نوض جي الثاني 30 ايه نوض الثالث 30 ايه نوض ما عندوش الوقت باش يقرا اكثر من 30 ما عندوش الوقت لكثره الزحام حوله فقال يعني علمت بانني اذا انتظرت فسوف لن يصل دوري يعني يدوز النهار كامل ما يوصلش الدور تاعي فهو ذكي فقال فجلست الى الحلقه وسالت خلف الحلقه وسالت احدهم فقلت له من اكبر الناس عند نافع يعني شكون هو الانسان اللي الامام نافع تحترمه بزاف من اكبر الناس عند نافع في المدينه فقالوا له الشيخ فلان واحد الرجل كبير تيحب الامام نافع بزاف قال لهم هل لي ان اتيه يعني قال لهم ورني في كاين هذا السيد قال له واخا فاخذ الرجل بيدي وذهبنا الى ذلك الرجل فطرقنا بابه فخرج شيخ كبير فقلت له انا طالب علم وقارئ قران جئت من مصر حتى اقرا على الامام نافع وقد قيل لي بانك من احب الناس اليه انك من احب الناس اليه واريد ان تكون وسيلتي له يعني انا بغيتك انت بحال ان تشفع لي عنده من يشفع شفاعه حسنه ياش يكون له نصيب منها يعني جيت باش تشفع لك عفاك شفع لي عند امام نافع باش نقدر نقرا عليه انا جاي من مصر وما نقدرش نتكلم معاه ولا حتى نصبوا لك يعني لازدحام الحراره فدخل الرجل ولبس طيلسانه دار يعني السلهم ديالو لبس طيلسانه واخذني بيدي ثم جاء الى المسجد الى ان وصل الى امام نافع وكنا قد بلغنا الليل نهار كامل تيقرا مصلي ومازال الناس تيقرا فجاء اليه فقال السلام عليكم ورحمه الله فقام الامام نافع يعني تيحبو رجل كبير صاحبه فقام اليه فقال له انا وسيله هذا الشاب اليك انا جيت باش نشفع لك لهذا الشاب هذا قالوا نعم قالوا نعم يعني نعم الوسيله ونعم الشاب شنو يعني فقال له ان هذا الشاب جاء من مصر لا يريد الحج لا هو في المدينه يعني ما جاش باش جا حج وداز المدينه لا يريد حجا ولم ياتي بتجاره وانما جاء ليقرا عليك فامام نافع نصب الليل قال له هل لك ان تبيت الى الغد قال له واش تقدر تبات الغد فقلت له نعم فبت في المسجد فلما جاء الصبح صلى امام نافع فالتف الناس حوله يعني ولا بقيت انا الاخر عاوتاني تجمع عليه الناس طلب ديال واجدي الحرص على التعلم اجتمع الناس حوله ولكن الامام نافع تذكر فقال له اين ذلك الشاب الغريب اين ذلك الشاب الغريب فقلت له انا فقال تقدم فتقدمت له فقال له اقرا عليه فقرات 30 آية قال وكان صوتي رداد يعني الصوت ديالي كان عالي فملأت جنبات مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بصوتي كان عنده واحد الصوت عجيب فقرا واحد القرايه الناس كلهم تزعزعوا لها يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع بصوت الامام ورش فارتجى يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت من 30 ايه قال حسبوك صافي 30 ما تفوتش 30 ماشي لانك جيت فقال حسبوك فقام واحد من طلبته وقال له يا امام يا معلم كنت تقول يا معلم فقال له يا معلم الدور علي يعني انا لست اقرا من بعده الدور علي وقد تصدقت له بعشر ايات ولا اقرا عليك الا 20 شوف يعني الاخر يحرص في نفس الوقت يحرص على ان يقرا على الامام ولكن يحرص ان يتصدق على هذا الغريب لجمال صوته ولطلبه للعلم
فما قالوش انا اعترف مره لان يعني لا اثاره في العباده هذيك شكون تعرفوها تاع الفقه بعض مرات تقول انت تصلي ولا تصطفوا للصلاه وتجي شي واحد هو في الصف الثاني وجاءت فجوه في الصف الاول وتبقى واحد يقول لاخر تفضل الاخر يقول لا تفضل هذه ايها اللي تيدير هذا الكلام هذا ما لا يفقه شيئا في الاسلام راه ما تفقهش لان الاجر اين يكون في الصف الاول في الاول ما حدك تقول في الصف الاول يكون الاجر وهل انت في غنى عن الاجر من ذلك الرجل يعني ما تقول وزيد تفضل زعما كلام محتاج على الاجر لا سيدي يعني خصك تكون من السباقين لان الله تبارك وتعالى يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم او سارعوا سابقوا الى مغفره من ربكم خصك تسابق وانت تقول له تفضل اخي زيد الله يسامحك يعني راه احتراما لا ما كاينش احتراما هذا الامور هذا لان غدا يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شان يغني ربما ذاك التقدم ديالك ولا لا ينفعك غدا يوم القيامه تموت من بعده واذا يحصل لك اجر الصف الاول وتدخل الجنه بذلك واش انت تشطرت في هذه الامور هذه وتقول ما احتاجهاش لا فهو ذاك الشاب بقى هذا السيد بغينا نسمعه راجل غريب جاي من مصر فقال له اتصدق عليه بعشر ايات واقرا عليك عشرين فقال له اقرا عشر ايات يلا سيد ورش فتقدم ورش فقرات عشر ايات فلما انتهيت جاء الطالب الثاني فقال له يا معلم انا الذي اقرا بعد صاحبي فاتصدق على هذا الغريب بعشر ايات ولا اقرا عليك الا عشرين فقال لي تقدم فاقرا عشر ايات اخرى فما زال كل طالب يقول ذلك حتى قرات ما شاء الله من الايات للايمان ولم اذهب من المدينه حتى اتممت عليه ختمات وكان يقربني من غير الناس خمسين ايه كنت انا الوحيد اللي تخليني اقرا خمسين ايه المغرب كلهم ثلاثين وكان في كثير من الاحيان يتصدق علي طلبه العلم ان اقرا عليه اكثر شوفوا الحرص اولا الحرص على التعلم انظروا الى حلقات العلم وحلقات تعليم القران الكريم كيف كانت في ذلك الزمان Donc un autre exemple très parlant, chers frères et sœurs, c'est ce qu'a rapporté l'imam Warsh. Vous savez très bien que l'imam Warsh fait partie de ceux qui ont rapporté la lecture de l'imam Nafi'. Et donc l'imam Warsh était un Égyptien. Et lui-même il disait une fois, il a dit lorsque j'ai entendu parler de l'imam Nafi', j'ai voulu, j'ai insisté pour que j'apprenne de lui. Et donc j'ai pris donc, mes bagages et je suis parti à Médine pour étudier sur lui à propos de lui le Coran. Mais lorsque je suis rentré à la mosquée, j'ai trouvé que l'assise était dense, il y avait énormément de personnes, à tel point qu'il était impossible d'accéder à l'imam Nafi'. C'était impossible que je puisse lui accéder. Et donc je me suis dit, même si je reste ici des jours et des jours, je n'aurai jamais l'occasion de lire sur lui. Donc j'ai eu la lucidité d'esprit de demander à quelqu'un qui était dans l'assise, et je lui ai dit, quelle est la personne à Médine que l'imam Nafi' aime par-dessus tout? Il m'a dit, il y a un vieillard qu'il aime énormément. Et il m'a dit, est-ce que tu peux me faire connaissance avec ce vieillard? Il lui a dit, oui, je vais te ramener à lui. Et donc, il m'a pris par ma main et il m'a ramené donc, devant une maison. On a toqué, et une vieille personne est sortie. Et je lui ai dit, salam alaykoum wa rahmatullah, alaykoum salam wa rahmatullah. Monsieur, ya Afi, on m'a dit que l'imam Nafi' t'aime énormément. Et je suis un étudiant qui lit le Coran. Je suis venu de l'Égypte pour apprendre de l'imam Nafi'. Mais j'ai vu que son assise est tellement remplie que je ne peux pas lui accéder. Et comme on m'a dit que tu es quelqu'un qu'il aime énormément, donc je suis venu pour que tu intercèdes en ma faveur auprès de lui, afin qu'il me permette de lire devant lui le Coran. Et le vieillard, il m'a dit, j'accepte cette intercession. Et il m'a pris, et on est venu jusqu'à ce qu'il entra chez nous. Nous entrâmes, c'est l'imam Nafi'. Il s'est rapproché de lui. Et l'imam Nafi' s'est levé parce que c'est quelqu'un, c'était son ami, il l'aimait beaucoup. Et il lui a dit, oui, que veux-tu? Il lui a dit, voilà, je suis venu pour intercéder en la faveur de ce jeune homme qui est venu de l'Égypte. Il n'est pas venu pour faire du commerce, il n'est pas venu pour faire le pèlerinage, il est venu seulement pour apprendre de toi. Est-ce que tu peux lui donner un privilège par rapport aux autres? Et c'était la nuit, l'imam Nafi' est resté depuis Sobh jusqu'à la nuit là-bas. À peine le temps de manger, de lui ramener de quoi manger. Et il était fatigué, il m'a dit, est-ce que tu peux attendre jusqu'à demain? Je lui ai dit oui. Et j'ai dormi dans la mosquée. Et le lendemain matin, juste après la prière de Sobh, dès qu'il s'est assis, tout le monde l'a entouré. Au point que j'étais resté à l'extérieur. Mais heureusement,
il a dit, où est l'étranger? Où est le jeune homme étranger? Et je lui ai dit, me voici. Il m'a dit, viens, mets-toi devant moi et lis 30 ayats. Parce qu'il n'acceptait qu'on lise sur lui que 30 ayats, pas plus. Et donc j'ai récité 30 ayats. Et il a dit, et j'avais une voix portante, une belle voix qui était portante. Et dès que j'ai commencé à lire, ma voix a envahi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens, ça leur a plu. C'est une voix qui était rare. Normalement, j'étais un très bon lecteur du Coran. Et donc les gens, ça leur a plu. Et dès que je suis arrivé à 30 versets, il m'a dit, arrête. C'est bon, tu ne peux plus avancer. C'est 30, il n'y a pas plus. Et heureusement, un des élèves s'est levé et lui a dit à l'imam, maintenant c'est mon tour, c'est-à-dire après lui c'est à moi de lire. Et je suis prêt à lui céder 10 ayats pour qu'il puisse les lire devant toi. Et moi je me contente de 20. Et là l'imam m'a dit, ben vas-y, lis 10 ayats de plus. Et j'ai récité 10 ayats de plus. Et dès que j'ai terminé, un autre élève s'est levé. Et lui a dit à l'imam, je lui fais au moins de 10 ayats. Et moi je me contente de 20. Et il a dit ainsi de suite, chacun m'octroyer et me donner en aumône la possibilité de lire 10 ayats devant Cheikh. Et il a dit, c'est ainsi que je suis devenu par l'élève privilégié, c'est l'imam Nafir, au point que je n'ai quitté Médine que lorsque j'ai terminé tout le Coran plusieurs fois devant lui. Et c'est pour cela que c'était un grand rapporteur, un grand rapporteur du Coran sur l'imam Nafir. Donc tout ceci, chers frères, ces exemples-là, mes sœurs, ces exemples-là pour vous montrer comment les gens s'amassaient dans la mosquée, se réunissaient dans les mosquées afin d'apprendre et d'enseigner. Chose qui nous manque énormément dans ce pays-là et à notre époque. Et pour terminer, je voulais parler aussi de certaines universités théologiques qui ont été édifiées et construites dans des mosquées très célèbres. Et ces mosquées-là sont en nombre de 4. Ce sont les 4 grandes universités théologiques qui ont marqué l'histoire de l'islam, voire l'islam, l'histoire de l'humanité. La première mosquée ou université théologique, c'est l'université de la mosquée de Cordoba, de Cordoba. La deuxième, c'est l'université de la mosquée de l'Azhar, Sharif. La troisième, c'est l'université de la mosquée de Zaytouna, en Tunisie. Et la quatrième, c'est l'université de la mosquée de Qayrawan, de Qarawiyé, ou à Fès, au Maroc. Donc ce sont ces 4 universités-là qui ont marqué le plus l'histoire scientifique de l'islam. Pour Cordoba, Cordoue, donc lorsque les Omayyades sont venus à Cordoue, ils ont pris Cordoue comme leur capitale. Et c'est là où ils ont donc construit la première mosquée à Cordoue, qui existe jusqu'à nos jours maintenant. Si vous allez à Cordoba, allez voir et vous allez pleurer lorsque vous allez voir cette mosquée. Parce que vous allez voir ce que les musulmans ont fait et ils sont restés 8 siècles, beaucoup plus que 8 siècles en Andalousie. Après quoi, ils sont partis. Et ceci ne rassure pas. Ceci ne rassure pas. Nous, ça fait combien de temps qu'on est en France? Même pas un siècle. On va dire un siècle, au mieux. Et pourtant, est-ce suffisant pour dire que ça y est, nous sommes bien installés? Ou est-ce suffisant pour dire que ça y est, l'islam s'est bien enraciné? Il ne sera jamais enlevé, arraché ou écarté de ce pays-là? Rien n'est sûr. Lorsqu'on voit l'histoire des musulmans en Andalousie, on avait l'impression que ça y est, ils étaient installés pour toujours. Et malgré tout, après les siècles, ils ont été évacués et écartés de l'Andalousie à cause d'eux, à cause de leur faiblesse. Parce que, au lieu de sauvegarder les principes fondamentaux de l'islam qui permettaient de le préserver dans la société, ils se sont adonnés aux moyens terrestres, ils se sont intéressés à la vie mondaine, et voilà comment ils se sont affaiblis peu à peu jusqu'à ce que les chrétiens les ont expulsés. Donc, cette mosquée a été construite en l'an 92 de l'Égypte, donc dans le premier siècle de l'Égypte. Et Abdurrahman Dahi a rénové cette mosquée-là en l'an 170 de l'Égypte. Et dedans, dans cette mosquée-là, des grandes sommités ont enseigné l'islam et ont appris l'islam. Des grandes sommités qui ont marqué l'histoire de l'islam. Lorsqu'on parle de Ibn Hazm, c'était parmi ces sommités-là. Lorsqu'on parle de l'imam Shatibi, c'était parmi ces sommités-là.
Lorsqu'on parle de l'imam Ibn Rushd, c'était parmi ces sommités-là. Lorsqu'on parle de Yahya ibn Abi Yahya al-Laythi, qui est un grand élève de l'imam Malik, d'ailleurs le Muwatta que nous lisons, la copie de Muwatta qui est le plus répandue maintenant, c'est la copie de Yahya ibn Yahya al-Laythi. C'était un élève qui est parti de l'Andalousie jusqu'à Médine. Il a étudié chez l'imam Malik. Et l'imam Malik l'appelait Aqil al-Andalus, l'homme le plus serein, le plus intelligent, le plus lucide de l'Andalousie. Pourquoi ? Parce qu'une fois, alors que l'imam Malik enseignait, quelqu'un est entré à la mosquée, il leur a dit venez, il y a un éléphant qu'on a ramené à Médine. Il y avait, je sais pas, un cirque, quelqu'un qui a ramené un éléphant à Médine. C'était une première fois, les éléphants n'existaient qu'en Asie. Et quelqu'un a ramené un éléphant à Médine. Et donc quelqu'un est rentré dans la cité de l'imam Malik, il a dit quelqu'un a ramené un éléphant à Médine. Et tout le monde, tous les étudiants ont quitté l'assise de l'imam Malik, ils sont sortis. Et l'imam Malik, en regardant devant lui et autour de lui, n'a trouvé personne sauf une personne. Et il lui a dit, qui es-tu? Il lui a dit, Yahya ibn Yahya al-Laythi. D'où est-ce que tu viens? Il lui a dit, je viens d'Andalousie, imaginez. D'Andalousie, de l'Espagne jusqu'à Médine pour apprendre, à pied pour apprendre la religion. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas, est-ce que dans votre pays il y a des éléphants? Il lui a dit, non, j'ai jamais, il n'y a pas d'éléphant. Il lui a dit, est-ce que tu as déjà vu un éléphant de ta vie? Il lui a dit, non, j'ai jamais vu d'éléphant. J'en entends parler. Hein? J'en entends pas. C'est une première normalement de voir un éléphant pour un homme comme lui. Il lui a dit, et pourquoi tu n'es pas parti comme tes pères pour voir l'éléphant? Il lui a dit, si je suis venu de l'Andalousie jusqu'ici, c'est pour te voir et non pas pour voir l'éléphant. Et là, il lui a dit, Anta aqilul Andalus. Tu es l'homme le plus raisonnable. Le raisonnable de l'Andalousie. L'imam Yahya ibn Yahya est allé à la Mecque pour étudier, ensuite il est allé à l'Égypte pour étudier chez Layth ibn Sa'd. Ensuite il est revenu à la Mecque pour réétudier chez l'imam Malik, il a trouvé qu'il était décédé. Et ensuite il est revenu à Cordoue et il a enseigné l'islam et le fiqh maliki à cette mosquée-là, alors que l'école qui était le plus répandue en Andalousie, c'était l'école de l'imam Al-Awza'i. L'Andalousie à l'époque n'était pas malikite, il n'y avait pas encore le malikisme dans cette région du monde. C'était l'imam Al-Awza'i, l'école de l'imam Al-Awza'i, les élèves de l'imam Al-Awza'i qui ont transmis son savoir là-bas. Al-Awza'i avait une vraie école, comme les quatre écoles qu'on connaît aujourd'hui. Et l'imam Layth ibn Sa'd, lorsqu'il a commencé à enseigner à Cordoue dans cette mosquée-là, comme elle était comme une université, il a enseigné, il avait tellement d'élèves que lorsque le gouverneur lui a dit « on veut te nommer le juge des juges », autrement dit c'est comme le garde des sceaux. Le chef de tout ce qui est juridique de l'Mahakim. Il lui a dit, j'accepte pas, mais en revanche, je peux te proposer certains de mes élèves qui peuvent devenir des juges. Et il lui a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui nommes les juges de l'Andalousie entière. Et donc, c'est à partir de là que Yahya ibn Yahya al-Laythi, al-Masmoudi, al-Barbari, qui était un berbère marocain d'origine, donc il a commencé à nommer tous les juges de l'Andalousie au point que tous les juges étaient ses élèves et ils étaient tous malikis. Et donc ils jugeaient avec le fiqh de Maliki. Et c'est comme ça que le fiqh de Maliki a déraciné le fiqh al-Awza'i de l'Andalousie. Et c'est comme ça qu'il s'est installé en Andalousie et ensuite il s'est installé donc en Afrique du Nord. Donc regardez cette école, ce qu'elle a accompli. Il y a le Jama' al-Azhar que vous connaissez tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui a construit l'Azhar, ce n'était pas des sunnites, c'était les chérites qui ont construit l'Azhar. Celui qui l'a construit, c'est un homme qui s'appelle, c'est un guerrier, qui s'appelle Jawhar al-Siqilni. Et lui, il était sous les ordres de Mu'izz al-Dinillah. C'était lui le premier calife des Fatimiyyin. Les Fatimiyyin, c'était des chérites ismaïliyyin. Ils se sont appelés, ils se sont fait appeler les Fatimiyyin en référence à Fatima al-Zahra. Et donc c'est lui, c'est ce fameux Jawhar al-Siqilni qui a construit l'Azhar. Et pourquoi ils l'ont appelé l'Azhar? C'est en référence à Fatima al-Zahra. Donc ils l'ont appelé l'Azhar. Donc l'Azhar au départ c'était une école, une université dans laquelle on enseignait le fiqh al-Ismaili al-Shi'i. Et c'est eux qui diffusaient le chiisme dans les pays musulmans. Les élèves venaient apprendre l'Azhar et l'État chiite en donnait des bourses pour les élèves qui allaient dans cette école-là. Et ça a continué pendant longtemps, pendant deux siècles. Pendant deux siècles, le chiisme s'est répandu en Égypte, il s'est répandu
à, en Tunisie, l'Ubaydiyya, il s'est répandu à, en Algérie, il s'est répandu au Maroc aussi, Fatimi. Donc il s'est répandu sur tout le nord de l'Afrique. Et c'était Hazar qui, quelque part, fabriquait les savants qui diffusaient leur doctrine. Et donc, il a fallu attendre que Salah ad-Din Ayyubi, rahimahullah, vienne pour renverser la situation, parce qu'il est devenu gouverneur au fur et à mesure, il est devenu ministre au fur et à mesure, donc il a fait une petite révolte, doucement, en douceur, contre les Fatimides, et c'est pour ça qu'il a ordonné à ce qu'on ferme, une fois pour toutes, l'Azhar. Même le Jumu'ah, c'était interdit d'accomplir le Jumu'ah dans l'Azhar pendant 98 ans. Azhar est resté fermé pendant presque un siècle, il était resté fermé. Jusqu'à l'époque du Mamalik, lorsqu'il y avait Al-Mudhaffar Bebas qui est venu et qui a demandé à ce qu'on réouvre l'Azhar une nouvelle fois, il l'a rénové et il a demandé à ce qu'on enseigne dedans le fiqh al-Shafi'i, le fiqh al-Hanafi, le fiqh al-Maliki et le fiqh al-Hanbali. Les quatre écoles étaient enseignées, l'idéologie des quatre écoles était enseignée dans cette école-là. Mais ça ne veut pas dire que l'imam Salah ad-Din Ayyubi n'a rien fait. Non, au contraire, lorsqu'il a fermé l'Azhar, il a construit immédiatement trois écoles. Il y avait le madrasa Nasiriya, l'école Nasiri, dans laquelle on enseignait le madhhab Shafi'i. Il y avait l'école Al-Qamhiya, le madrasa Al-Qamhiya, dans laquelle on enseignait le fiqh de l'imam Malik. Et il y avait le madrasa Al-Sayfiya, parce que c'était une école qui donnait sur un marché où on fabriquait les épées, Soufiyin. Et donc on l'appelait le madrasa Al-Sayfiya, dans laquelle on enseignait le fiqh Al-Hanafi. Donc tout ça c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'on diffusait l'islam, c'est comme ça qu'on protégeait l'islam à travers des assises et à travers un enseignement qui était engagé et donné dans ce genre d'école. Il y a beaucoup à dire sur ces écoles-là, mais je passe rapidement. Il y a Jamal Zaytouna qui a été construit par Hassan ibn Nu'man. Le premier qui a construit d'abord c'était Hassan ibn Nu'man en l'an 79 de l'Égypte. Et ensuite on l'a rénové deux ou trois fois après jusqu'en l'an 250 de l'Égypte où il a été reconstruit d'une belle manière. Et à partir de là, donc on a commencé à y enseigner l'islam et qu'il a commencé par la suite à prendre la forme d'une vraie université. Je ne parle pas ici des assises du Coran, de l'Imam, je parle d'une vraie université, comme on les voit aujourd'hui, avec plusieurs matières, avec des matières scientifiques, des matières théologiques, des matières qui ont un rapport avec la littérature. Donc ça a commencé à s'installer au fur et à mesure. Et vous savez très bien que le Jamia Zaytouna a donné des grandes sommités dans l'histoire de l'islam, comme Mohamed ibn Arafa, comme Ibn Khaldun, comme Sheikh Sahnoun, qui a écrit la Mudawana de l'imam Malik, sur l'imam Malik, et Abul Hassan al-Shadili. Il y a l'imam Mohamed, l'imam Tahar ibn Ashur, parmi les derniers, Tahar ibn Ashur, ça c'est une grande sommité qui a écrit un chef-d'œuvre dans l'exégèse du Coran, à savoir son livre Tahrir wa At-Tanwir, sa grande inspiration était du livre de Kashaf de Zamakhshari, mais comme Zamakhshari était un Mu'tazili, donc lui il a tamisé le livre de le tafsir de Zamakhshari, il l'a donné sous une nouvelle forme moderne, et ça fait partie des meilleures exégèses qu'on connaît en islam. Et parmi ceux qui ont étudié aussi à Jamal Zaytouna, Imam Mujaddid ibn Badis, le grand rénovateur algérien Ibn Badis, il a étudié à Jamal Zaytouna. Et les savants partageaient le savoir, ils allaient d'une école à une autre pour enseigner ici et apprendre de l'autre côté. Tout ceci, c'est pour vous montrer que ces écoles en jouaient énormément. Rapidement, si je rajoute deux minutes encore là pour terminer, il y a Jamal Qarawiyye à Fès, qui a été construit en l'an 193 de l'Égypte par Idriss Thani. C'est le premier qu'il a construit. C'était au départ une petite mosquée qu'on appelait Jamal al-Shurafa, la mosquée de Shafa. Et il a fallu attendre Fatima al-Fihriya, cette femme qui a hérité énormément d'argent de son père. Et son père habitait à Kairouan. Il habitait en Tunisie. Et il a déménagé avec avec ses enfants. Il avait deux filles, Fatima et Maria. Et il est décédé. Et Fatima a perdu aussi son mari, il a perdu aussi son frère qui étaient tous les trois riches. Et après cela, il a hérité d'énormément d'argent. Il a dit, je veux accomplir quelque chose d'unique. Et donc c'est là qu'elle a décidé de reconstruire le Masjid al-Qarawiyye, de l'agrandir.
Et imaginez, il a dit depuis le départ de la construction, il s'est engagé à jeûner tous les jours jusqu'à l'achèvement de la construction. Donc il est resté plusieurs mois à jeûner, sauf les jours bien entendu où c'est interdit de jeûner, jusqu'à l'achèvement de la construction. Et il leur a demandé de creuser dans le même terrain pour ramener le sable, ramener les pierres du même terrain. Et il leur a demandé de creuser pour trouver un puits dans le même terrain afin de n'utiliser que l'eau de ce terrain-là. Et c'est comme ça que Masjid Qaraouin a été construit et il est considéré par les spécialistes comme la première université du monde. Beaucoup avant, bien avant Jamal Zaytouna, il existait, mais en tant qu'université, il est venu après Jamal Qaraouin. Et d'ailleurs, il est inscrit dans le livre Guinness des records. Dans le livre Guinness des records, vous allez trouver la première université du monde. Première université du monde, c'est Jamal Al-Qaraouin. Et on l'a appelé Qaraouin parce que Fès était divisé en deux parties. La partie de l'Andalousie, les gens qui sont venus d'Andalousie, donc ils avaient un quartier, ça s'appelle le quartier des Andalous. Et il y avait le quartier Al-Qaraouin de ceux qui sont venus de Qayraouan, qui sont venus de Tunisie. Et donc elle a construit une mosquée dans le quartier de Qaraouin, et sa sœur Maria a construit une autre mosquée dans le quartier de l'Andalousie. Tout ça c'est pour vous montrer ces gens. Regardez cette femme maintenant, un exemple de femme. Et regardez les hasanats que ces femmes-là peuvent avoir et récoltent encore dans leur temple de par ce geste qu'elles ont fait lorsqu'elles ont construit. Et ces gens-là ont construit des mosquées dans lesquelles on a transmis le savoir. Et nous savons très bien le hadith, nous connaissons très bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que lorsque quelqu'un décède, ses œuvres s'arrêtent et leur récompense s'arrête, sauf trois œuvres. Ilmun, waladun salihun yad'ula, un enfant pieux qui invoque pour son père, qui implore Allah Azza wa Jalla pour son père. Allah Azza wa Jalla exauce et continue de donner la récompense à ce père qui a bien aidé son enfant. Ilmun, yuntafa'u, sadaqa jariya, yuntafa'u, waladun salihun yad'ula, donc pas dans l'ordre. Une sadaqa jariya, une aumône qui continue de produire et qui continue de fructifier, et un savoir qui a été transmis. Donc imaginez, celui qui investit dans les mosquées, soit par la construction, soit par l'enseignement, soit par l'argent, soit par l'aide, soit par le simple fait de devenir, lorsqu'Allah décide de pardonner à une assise, à tous ceux qui sont dans une assise, le hadith authentique le montre, lorsque les anges reviennent, et ils montent vers chez Allah Azza wa Jalla, lui disent voilà, nous revenons d'une mosquée où il y avait des gens qui étaient réunis. Il leur dit qu'est-ce qu'ils faisaient alors qu'ils savent, qu'ils savent pertinemment ce qu'ils faisaient. Et ils disent qu'ils étaient en train de te glorifier, ils étaient en train de lire le Coran, de l'étudier. Et le prophète Allah Azza wa Jalla leur dit, je vous prends comme témoin, je leur ai tous pardonné. Et un ange lui dit, mais parmi eux, il y a une personne qui n'est pas venue pour apprendre. Lui, il avait une autre intention. Peut-être qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un, il était de passage. Et Allah Azza wa Jalla lui répond, puisqu'ils sont assis, ils sont, je les englobe tous dans mon pardon, y compris celui qui n'est pas venu avec l'intention d'apprendre. Donc tout ceci c'est pour vous dire que le simple fait de venir dans la mosquée, assister et participer à des cours, à une assise où on lit le Coran, où on apprend le Coran, où on enseigne le Coran, imaginez les hasanats que vous récoltez et les degrés dans lesquels vous vous êtes élevé par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de donner, de sensibiliser mes frères et sœurs sur l'importance de transmettre le savoir dans la mosquée et d'apprendre le savoir dans la mosquée. Il y a une grande différence entre apprendre le savoir à l'extérieur et à l'intérieur de la mosquée. Les hadiths qu'on a cités vous le montrent très bien. Donc si nous voulons retrouver la splendeur de notre communauté, la force de notre communauté, l'épanouissement de notre communauté, Dieu sait que nous en avons besoin encore plus dans ce pays-là en ce moment bien précis. Donc nous devons revenir aux mosquées, nous devons enseigner dans les mosquées, nous devons apprendre dans les mosquées, nous devons faire vivre, revivre, on va ressusciter, nous devons ressusciter cette tradition dans nos mosquées afin d'obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et d'obtenir le soutien de notre Seigneur dans cette grande entreprise qui essaie d'appeler à Allah Azza wa Jalla. Wa l'hasanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani mina المسلمين. نفع الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا.
أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دونك هذا السؤال يقول: تحية المسجد في وقت الصلاة، وقت صلاة العصر قبل الإقامة وبعد الصلاة، مع العلم حسب معلوماتي أنه لا صلاة بعد العصر إلا القضاء، وأن سنة العصر تصلى قبل الأذان على الأقل بخمسطاش دقيقة. نجاوب بالفرنسية، كل شيء في الفرنسية؟ ها؟ كل شيء في الفرنسية. هو بصوت العربية ولكن باش نعاود شغل المرات. دونك لو فخير ولا سور بوز اون كيستيون ديزون كاين لو ديكري ريلاتيف ا لا سالوتاسيون دو لا موسكي، لا بخيغ دو سالوتاسيون دو لا موسكي او مومون دو العصر، سا فادير افون الاقامة اي ابخي لاكومبليسمون دو لا بخيير. الوغ سكي فو سافوار سا تحية المسجد، لا سالوتاسيون دو لا موسكي، لو حديث يا حديث اوثنتيك et qui est explicite là-dessus, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Il a dakhala ahadukum al-masjida fala yaqul hatta yusalli rak'atayn » Si l'un de vous entre dans une mosquée, qu'il ne s'assoit qu'après avoir accompli deux rak'at. Et les circonstances de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quelqu'un parmi les compagnons était entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec quelques compagnons. Et cet homme-là s'est rapproché de l'assise et il s'est assis sans accomplir la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Lève-toi et accompli deux rak'at, et lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit qu'après avoir accompli deux rak'at. » Le hadith est authentique et il est explicite. Et donc c'est à partir de là que les savants sont unanimes sur le fait que lorsque quelqu'un entre dans la mosquée, il n'a pas à s'asseoir. Il n'a pas à s'asseoir. Et pourquoi je dis il n'a pas à s'asseoir? Parce que là, il y a une petite divergence dans les savants. Il y a certains qui ont considéré que c'est une obligation. Celui qui ne l'a fait pas a commis un péché. Et il y a certains qui disent que c'est une sunna. Ce n'est pas dans le sens de l'ordre, mais c'est dans le sens d'une sunna, de l'accomplir. Donc voilà la petite divergence entre ceux qui disent que c'est une sunna et ceux qui disent que c'est une obligatoire. Pourquoi il y a une divergence? Parce que ceux qui disent que c'est une sunna, ils disent parce que les prières obligatoires, on les connaît. Il n'y en a que cinq. C'est les prières qu'Allah Azzawajal a élucidées au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Mi'raj. Donc à partir de là, on ne peut pas considérer qu'il y a une autre prière à part ces cinq-là qui soit obligatoire. À part, bien entendu, la prière mortuaire lorsqu'il est accompli par un certain. C'est si un nombre de personnes l'accomplit, il n'est plus obligatoire pour tout le monde. Maintenant, ce hadith-là a posé problème chez certains savants. Pourquoi? Parce que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois moments, un compagnon a dit, il y a trois moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'enterrer nos morts ou d'accomplir une prière surérogatoire. Et donc il a parlé du lever du soleil jusqu'à ce qu'il arrive à un certain niveau de l'horizon qui équivaut à la hauteur d'une lance. Ensuite il a dit lorsque le soleil est au zénith jusqu'à ce qu'il s'incline un petit peu. Et ensuite il a dit lorsque lorsque le soleil s'incline vers le ghurub. Donc il a dit ces trois moments-là, le prophète nous a interdit d'enterrer nos morts, encore moins d'accomplir une prière. Un autre hadith aussi pose problème, et qui est authentique, dans lequel le prophète dit il n'y a pas de prière surérogatoire après la prière de l'asr, jusqu'à ce que l'heure de ghurub entre, mais jusqu'à ce que ghurub entre. Donc les savants, lorsqu'ils ont voulu étudier ces hadiths, et ça c'est quelque chose que vous allez trouver, pas que ça c'est un exemple qu'on peut rapporter et reporter sur plusieurs autres exemples qui ont fait que les savants ont divergé. Et c'est pour cela que ces divergences-là, il est impossible de trouver maintenant quelqu'un, un savant qui va s'asseoir devant vous et vous dire la seule vérité c'est celle-ci et le reste ce n'est pas une vérité. Pourquoi? Parce que les savants ont divergé sur cette affaire-là depuis la nuit des temps, depuis le début. Et ils continuent de diverger là-dessus. C'est pour cela que mon intervention ne va pas régler le problème. Je vais être une personne
dans une partie de la balance. Mais ça ne rajoute pas. Moi, si maintenant je mets mon poids, si je veux dire, aussi petit que soit-il, dans un côté de la balance, demain vous aurez un autre imam auquel vous allez poser la question, il va mettre le poids de l'autre côté de la balance, et ainsi de suite, et on va continuer comme ça, des siècles durant. À notre niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les savants ont divergé. Pour certains, ils ont dit, nous, on prend le hadith du prophète, que je vous citais au départ, dans son sens global. Lorsque l'un de vous entre dans une mosquée, qu'il ne s'assoit qu'après avoir accompli le rak'at. Donc c'est ouvert, quel que soit le moment. D'accord? Mais on leur dit, mais le hadith dit, après l'asr, on ne le fait pas. Eux, ils leur répondent, ils disent, non, mais ce hadith-là, il parle des prières surérogatoires qui n'ont rien à voir avec une circonstance bien particulière. Mais lorsqu'il s'agit d'une prière circonstancielle, qui est ce qu'on appelle dawatul asbab, qui ont des raisons bien données, dans ce cas, il faut les accomplir. Comme pour eux, ils disent, comme par exemple le sejdat tilawa, alors je lis le Coran, il y a sejdat tilawa, il y a une raison là qui me pousse à le faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné par ailleurs. Donc dans ce cas, je peux le faire. L'autre, il va dire, tahiyat masjid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit dans le hadith là qu'il faut l'accomplir dès que je rentre dans une mosquée. Donc je dois l'accomplir, il y a une dawati asbab. Donc il faut l'accomplir. Les autres, ils leur disent non, mais nous on prend le hadith qui dit lorsque vous entrez dans la mosquée, accomplissez dans le karat. Et ensuite, on soustrait de ce hadith là, ce sens global, on soustrait ce qu'il y a dans notre hadith qui dit il n'y a pas de prière après l'asr. Et on soustrait de la généralité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, les deux avis se basent sur les mêmes hadiths. Les deux avis, bien qu'ils soient contradictoires, ils se basent sur les mêmes hadiths. Sauf que maintenant, le traitement des hadiths, c'est lui qui va différer entre des savants et d'autres. Donc pour les malikites, par exemple, pour les malikites, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, après l'asr, il n'y a pas de prière. Et même tahiyat masjid devient déconseillé, le Coran. Donc ils vont plus loin. Il en est de même pour eux lorsque l'imam entre pour accomplir le khutba de Al-Jumu'ah. Et ils ont des preuves. J'ai un cours, les frères peuvent revenir dans notre site, sur tahiyat masjid. On a fait à peu près 5 heures sur ce cours-là. Un cours sur la jurisprudence comparée relative à la salutation de la mosquée. Et là, on a rapporté l'avis de tous les savants, preuve à l'appui. Parce que le problème chez nous aujourd'hui, c'est qu'on peut se mettre devant des savants, malheureusement, et lorsqu'on leur pose une question, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la vérité. Ils disent, les savants ont divergé sur cette question, certains ont dit ça, certains ont dit ça, mais la vérité c'est ça. D'accord? Et celui qui va entendre ce savant va dire, la vérité c'est ça. Demain tu vas tomber, c'est un savant qui est convaincu par l'autre avis. Il va te dire, celui-là a dit ça, l'autre a dit ça, mais la vérité c'est ça. Donc après, quels sont les critères sur lesquels je vais me baser, moi le commun des musulmans, pour choisir la vie de celui-là ou la vie de l'autre? Il y a un qui va dire que celui-là, il est de mon groupe. Il appartient au groupe auquel j'appartiens, donc je préfère son avis. C'est lui qui a raison, l'autre il a peur. L'autre il va dire, celui-là il m'a plu dans son apparence. Il a une belle barbe, il a un bon habit, donc c'est lui qui a raison. L'autre il va dire, il parle bien, donc c'est lui. Et le problème là, ne sera jamais résolu. Ce qu'il faut faire, c'est que les savants, lorsqu'ils donnent le fatwa, il faut toujours, d'abord la première chose qu'il faut faire, c'est de sensibiliser l'audience, de respecter les avis de nos savants, même s'ils ont divergé. Et de leur expliquer que ces savants-là ne parlent pas de leur passion. Lorsqu'ils donnent un avis, c'est pas... Lorsqu'ils disent la salutation de la mosquée, on ne l'accomplit pas après l'asr. Vous croyez qu'ils disent cela par laxisme? Est-ce que vous croyez qu'ils disent cela par laxisme? Ils disent, j'ai pas envie de faire la prière, je préfère me reposer. Non, ils ne le disent pas par laxisme, parce que pour eux, c'est une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le hadith dit qu'il n'y a pas de prière après ça. Donc pour eux, ils pensent défendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour les autres aussi, ils pensent défendre un hadith qui dit lorsque vous entrez dans la mosquée, vous devez accomplir. Et c'est cela qui explique la divergence entre nos savants. Et il est de notre devoir, lorsqu'on est dans une situation comme ça, de dire que ça soit cet avis ou l'autre, tout ce que vous adopterez comme et les choix, c'est un choix qui est correct. Parce qu'il se base sur les dires des grands savants, sommités, qui se basent sur des preuves tangibles et sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu vois ton frère faire autrement, respecte-le. Ne dis pas, il a commis une bid'ah, il n'a pas respecté la sunnah,
ou il est ignorant. Non, respecte-le, tu dis, bah, voilà, il a opté pour l'autre âme. Et cela, il y a énormément d'affaires dans la jurisprudence islamique où il y a ces divergences. Et notre but, ce n'est pas de venir et de semer la zizanie entre les musulmans et de mettre les uns contre les autres sur des détails comme ceci, mais de leur montrer qu'on doit le respect à nos savants qui ont donné des avis et qui ont émergé des décrets à partir d'une vraie étude théologique et en se basant sur des preuves, des vraies preuves. Lorsque quelqu'un dit « Moi, je suis la preuve, un acte de Dali », tu crois que l'imam Malik n'a pas suivi Dali? Et il est venu de sa tête comme ça, il a dit comme ça, par passion, il a dit « Non, il ne faut pas faire ça. » Même le tahiyat masjid, pendant que l'imam prêche. Certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui s'est assis, « Lève-toi et accomplis », alors qu'il prêchait, « Lève-toi et accomplis deux rakat. » Donc là, c'est explicite, disent-ils. Les malikites, ils disent « Mais non, cet homme-là, c'est qui ?» Il s'agit de Sulayk al-Ghatafan. Et c'est Sulayk al-Ghatafan, il lui est arrivé une chose dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et c'est un hadith qui a été authentifié par les savants. C'est qu'il est rentré une première fois à la mosquée, il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Lève-toi et accomplis ton rakat. » Et il s'est exécuté. La semaine d'après, il est rentré en retard. Il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième fois, il lui a dit « Lève-toi et accomplis ton rakat. » Et la troisième fois, troisième semaine de suite, il est rentré en retard et le professeur Asmi lui a dit « Lève-toi et accomplis dans le cadre. » Déjà, les savants ils disent « Pourquoi se lève Ratafani ?» Alors que le professeur Asmi lui a dit une première fois de se lever pour accomplir dans le cadre, la deuxième semaine il n'a pas fait pareil. A-t-il désobéi au prophète? Non. C'est parce qu'il savait que ça ne se fait pas. Mais lorsque le professeur Asmi lui a demandé de faire, il ne pouvait qu'exécuter. Et la troisième semaine, il ne l'a pas fait. Parce qu'il pensait que ça ne se fait pas. Ça veut dire que c'était quelque chose de répandu chez les compagnons que ça ne se passe pas. Ça se fait pas. Et c'est pour cela qu'il s'est passé. Et ensuite, le professeur, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit la troisième semaine? Il leur a dit Tasaddaqo, donnez l'aumône. Tasaddaqo, donnez l'aumône. Et les gens ont commencé à donner l'aumône. Donc certains, c'est celui qui avait un tissu, il donnait son tissu. Celui qui avait de l'argent, il donnait l'argent. Et le professeur a pris deux tissus. Et il a dit à celui qui vient, tiens, ces deux tissus, c'est pour toi. À cet homme-là. À qui il a dit lève-toi et accomplis ton cadre. Il lui a dit tiens, c'est du suçant pour toi. Ensuite, il leur a dit Tassaddaqo, donnez l'aumône. Et ce lègue, le pauvre, il a pris un de ces tissus-là et il l'a donné au professeur. Et le professeur s'est mis en colère. Il a pris le tissu, il leur a dit il y a un homme qui est rentré une première semaine, qui s'est assis, je lui ai dit lève-toi pour accomplir ton cadre. Et la deuxième semaine, je lui ai dit encore une fois lève-toi pour accomplir. Et la troisième semaine, et je vous ai dit, donnez l'aumône. Et vous avez donné l'aumône. Et c'était pour la lui donner. Et je lui ai donné, et lui, il a repris sa aumône et il me l'a donné. Et le professeur Asmi, il a pris le tissu, il a dit, prends ton tissu, j'en ai pas besoin. Et c'est là où les malikites le disent. Si le professeur Asmi a demandé à cet homme de se lever pour accomplir donc quatre, c'est pour, parce que c'était quelqu'un de très pauvre, dans un état donc délabré, ses habitants dans un délabré. Et le professeur Asmi a voulu que les compagnons le remarquent, afin de lui donner l'argent. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le tissu. Et il leur a dit, je lui ai demandé de se lever. Autrement dit, c'est que cet ordre-là, il est limité à cette personne-là. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit ça. Et le hadith-là est rapporté par l'imam Ahmed. Donc, lorsque les malikites disent, il n'y a pas de tahiyat masjid pendant que l'imam est sur le minbar, ils ne le disent pas de leur tête comme ça. Ils disent, des laxistes qui n'ont pas compris ce que c'est que la sunnah. Et c'est grave de dire que l'imam Malik n'a pas compris la sunnah du prophète. Comme disait un cheikh, une fois il était chez nous, un qui lui a posé la question, il lui a dit, mais non, mais la sunna c'est quoi? Il lui a dit, Imam Malik était à Médine, la ville où a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville où la sunna du prophète était le plus protégée, parce que c'est là où il y avait le plus de compagnons, lui, le hadith là, il lui a échappé. D'accord? Il a fallu attendre 14 siècles pour que toi, avancé, tu entends le hadith, et tu me dis, c'est le hadith là qu'il faut suivre. Où tous les imams malikites qui ont vécu le long de ces 13 siècles, ce hadith-là leur a échappé. Yani, toi, tu es plus intelligent qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on doit le respect vis-à-vis de nos savants. Et c'est pour cela que les savants disent « Man lam yata'arraf ala khilafi al-fiqh fuqaha'i lam tashamma anfuhu ra'ihat al-fiqh » Celui qui n'a pas jeté un coup d'œil sur les raisons de divergence entre les savants, n'a pas senti de son nez
l'odeur de la jurisprudence islamique. Il n'en a pas, même l'odeur, il n'a pas senti de loin. D'où l'importance. Moi, je me dis, c'était la cinquième partie dont je voulais parler dans cette conférence. C'est pour cela que j'exhorte les savants, les imams qui donnent des cours. Lorsque vous donnez les cours dans la mosquée, sachez que devant vous, il y a des jeunes qui veulent apprendre. Mais il y a des jeunes qui apprennent à leur manière. Et que nous sommes dans une phase, ou bien dans une période, où on a bradé le savoir et l'enseignement de la science. On l'a bradé. Avant, je me racontais comment les gens partaient pour apprendre, comment ils devaient patienter. Là, on l'a bradé. D'abord, chez nous, il suffit que quelqu'un aille cliquer sur une souris, une heure, devant un écran, pour penser qu'il est en train d'acquérir le savoir. Ou il suffit que quelqu'un aille consulter sur Google pour penser qu'il est en train d'accéder au savoir. Et ce frère-là, le lendemain, il va venir devant toi. Et toi, tu es en train de répondre à une question ou d'expliquer un décret relatif à la jurisprudence. Et lui, il vient de lire de quelqu'un qui est d'un grand pays, qui est un grand savant, qui a dit le contraire de ce que tu as dit. Donc, il va tout de suite te ridiculiser. Il va dire, celui-là, c'est un ignorant. Alors que tu n'es pas ignorant. Toi, tu t'es basé sur les dires d'autres savants qui ont aussi des preuves. Et il va te ridiculiser. Et c'est pour cela que nos savants, et pédagogiquement parlant, il faut expliquer à nos jeunes la divergence entre les savants. Et moi, ça m'arrive souvent dans la mosquée où j'officie de dire aux frères, voilà, moi je vous donne l'épreuve là, et l'épreuve là, voilà les hadiths authentiques. Alors, qui est d'accord pour l'avis d'un tel? Laissons de côté les avis d'Yalbé. Je donne un simple exemple. Lorsque le professeur Aouzou dit, lorsque l'un de vous vous prosternez, qu'il ne descende pas par terre comme descendrait un chameau. Alors le hadith est terminé, il dit, descendez alors avec vos mains. Il y a des savants qui disent, cet ajout-là, descendez alors avec vos mains, c'est un ajout de celui qui a rapporté le hadith, et non pas une parole du prophète. Hein? C'est une parole de celui qui a rapporté le hadith, et non pas une parole. La parole du prophète s'arrête au moment où il dit, ne descendez pas comme descend le chameau. Et je donne toujours cet exemple pour dire, chez vous-même, le chameau, lorsqu'il descend par terre, est-ce qu'il descend avec les genoux ou il descend avec les mains? Qui pour vous dit qu'il descend avec les mains? Le chameau. Tu as la route Sahara, tu es de Sahara. Le chameau, il descend sur les pieds ou sur les mains? Sur les mains. Parce que toi, tu as considéré que les pattes antérieures sont les mains et les pattes postérieures sont les pieds. Et qui me dit que le chameau descend sur les genoux? Qui est debout? Toi, tu dis qu'il descend sur les genoux. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, rien qu'avec cet exemple-là, il y a deux avis différents tout de suite. Alors que c'est le même hadith. Oui, il y en a qui n'ont pas vu le chameau depuis longtemps. Même si tu n'as pas vu le chameau, c'est compréhensible. Voilà pourquoi les savants, en prenant ce hadith-là, ont divergé. Certains ont dit, non, le chameau, il descend avec les pattes antérieures, et on considère que les pattes antérieures sont comme les mains chez nous. Parce que si le chameau se lève, le cheval, lorsqu'on dit au cirque, lorsqu'on dit au cheval, lorsque le cheval se lève comme ça, on dit qu'il s'est levé sur les mains. Non, il s'est levé sur les pieds. Sur les pieds, d'accord. Parce qu'on compare les pattes antérieures comme les mains. Donc, pour ne pas être comme le chameau, si on considère qu'il descend sur les mains, nous on dit qu'il faut descendre avec les pieds, donc sur les genoux. Pour d'autres comme les hajj, je dis mais non. Le chameau, lorsqu'il descend, il descend sur les genoux. Parce que le premier, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit parce que, à la base, les pattes descendent déjà par terre. Donc, on ne peut pas dire qu'il est descendu. Les pattes sont déjà par terre. Donc, il ne les a pas utilisées, ils sont déjà par terre. Il n'est pas descendu dessus. Il est descendu par les genoux parce que les mains sont déjà par terre. Vous voyez? Donc, pour ne pas faire comme ferait le chameau, donc je dois faire l'inverse. Il y a un troisième avis qui a été rapporté par Ibn Qayyim rahimahullah. Il a dit le but, c'est de descendre de cette manière ou de l'autre, mais ne pas faire comme le chameau qui, lorsqu'il descend, il laisse son postérieur vers l'air. Vous voyez le chameau lorsqu'il descend, donc vous voyez, il s'incline comme ça, et son postérieur, il monte la terre, il descend avec force. Donc ils disent que ça soit avec tes mains ou avec tes genoux, peu importe, dès lors que tu descends avec sérénité et que tu ne laisses pas ton postérieur, comme si tu descends comme ça, tu laisses ton postérieur à l'arrière. Donc il y a trois explications qui ont été données pour le même hadith. Vous comprenez ça? Et ça, c'est un long sujet. J'aimerais bien l'aborder avec vous, mais c'est très très long. Il y a énormément d'exemples que je peux vous apporter, pas seulement pour vous convaincre de respecter l'avis des savants, de ne pas les prendre pour des gens
qui ont moins d'intelligence que nous, et de comprendre certaines raisons pour lesquelles nos savants ont divergé. Et ces divergences-là ne vont jamais s'estomper. Tant que l'islam existe, ces divergences-là ne vont jamais s'estomper. Il se peut que parfois on trouve un avis qui est prépondérant par rapport à un autre lorsque l'autre se base sur un hadith faible. Là, on dit, là, il n'y a pas photo. Là, j'ai un hadith authentique, là, j'ai un hadith faible. L'authentique l'emporte sur le faible. Mais parfois, et souvent, et je termine par ça, souvent vous trouvez le même hadith authentique chez les deux, et c'est ce qui fait que nos savants ont divergé sur ces questions. Il a raison parce que j'ai un rendez-vous. Juste la proposition de Jacques, avec grand plaisir, on reprend un cours avec vous, spécialement sur ce sujet-là, Inch'Allah. Après le mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est bon, avec grand plaisir. Je vous ai dit, vos questions, vous les expliquez, c'est sûr. Paris, demain, on aura trois savants. Trois savants, mais non. Le papa, ils vont répondre à vos questions. Donc pas besoin de demain prochain. Aujourd'hui, à 6h, il doit être à 6h. D'abord, c'est très difficile de dire. D'abord, à notre époque, ou surtout ici en France, c'est difficile de dire cette mosquée malikite, cette mosquée chère. Ça existait autrefois. Tu entres au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'était malikite. Dans ce cas, ça ne convient pas de faire autre que eux. Et même Malik, lui-même, une fois, il est rentré après l'Asr, il s'est assis. Il s'est assis par terre. Il n'a pas accompli sa hiyat musulmane. Un jeune homme, un enfant, est venu le voir. Il lui a dit à Cheikh, il ne savait pas que c'était l'imam Malik. Il lui a dit à Cheikh, lève-toi et accomplis ton cadre. Et l'imam Malik s'est levé, il a accompli ton cadre. Et certains de ses élèves l'ont vu. Ils sont venus le voir. Il lui a dit, Malik, tu as toujours l'habitude de nous dire de ne pas accomplir ton cadre après l'Asr. Pourquoi tu l'as fait? Il lui a dit, Hatta la akuna min ulaika alladhina qila fihim wa idha qila lahum irka'u la yarka'u. Pour que je ne sois pas à l'instar de ceux à qui on a dit accomplissez la génuflexion et ils ne l'ont pas accompli. Ce jeune homme m'a dit de l'accomplir, je l'ai accompli. Même si je sais que normalement je ne dois pas le faire. C'est ça, là. C'est à ce niveau de respect que nous devons rehausser notre esprit pour maintenir la cohésion entre les musulmans et s'intéresser à l'essentiel qui ne divergera jamais les lignes. Nous avons l'affaire, mais tout cela vient en écoutant mes savants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فله خير
كل شيء هذا.